David l'abomination. If you continue your sinful life, va t'écouter, cher mon frère. You will be very expensive. Tu seras dans les regrets lorsque tu quitteras. You will regret when you leave this world. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans les regrets lorsque tu quitteras ce monde. And God doesn't want you to regret when you leave this world. Dieu ne veut pas que tu sois dans les regrets lorsque tu quitteras ce monde. God doesn't want you to regret when you leave this world. C'est la raison pour laquelle il t'appelle à la repentance pendant que tu as encore un peu de temps. That is why he tells you to repent while you are in this world. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité. Verily, verily, we tell you. Maintenant que tu dois te repentir. This is the time for you to repent. C'est maintenant que tu dois te repentir. This is time for you to repent. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Le temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Ne te laisse pas vaincre par le mal qui règne dans ce monde. Don't allow yourself to be overcome by the evil that is in this world. Tu seras sauvé. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Moi en Jésus Christ tu seras sauvé. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Moi en Jésus Christ tu seras sauvé. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Moi en Jésus Christ tu seras sauvé. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. La vie n'est pas comme tu penses, mon frère. Life is not as you think. Tout ne se limite pas à ce que tu connais, mon frère. Everything is not limited to what you think. Tout ne se limite pas à ce que toi tu connais, mon frère. Everything is not limited to what you think. Moi en Jésus Christ tu seras sauvé. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Tu dois croire en Jésus Christ afin d'avoir la vie éternelle. You need to believe in the Lord Jesus Christ to have everlasting life. Tu dois croire en Jésus Christ afin d'avoir le salut. You need to believe in the Lord Jesus Christ to have salvation. Tu dois croire en Jésus Christ afin d'avoir le salut. You need to believe in the Lord Jesus Christ to have salvation. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois te repentir, ma soeur. You need to repent. Tu dois prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. You need to take an engagement to follow the ways of Christ. C'est aujourd'hui que tu dois le faire, mon frère. You need to take that engagement today. C'est aujourd'hui que tu dois le faire, ma soeur. It is today you need to take that engagement. Tu dois prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. You need to take an engagement to follow the ways of God. Afin d'être sauvé, mon frère. So that you will be saved. Afin d'être sauvé, ma soeur. So that you will be saved. Tu dois changer de vie, mon frère. You need to change your lifestyle. Dieu t'appelle à changer de vie aujourd'hui. God is calling you to change your lifestyle. Dieu t'appelle à changer de vie aujourd'hui. God is calling you to change your lifestyle. Dieu t'appelle à changer de vie aujourd'hui. God is calling you to change your lifestyle. Tu dois changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. You need to change your lifestyle before it be too late. Jésus Christ te tend la main aujourd'hui, mon frère. Jesus Christ is stretching his hand to you. Dieu t'appelle à changer de vie aujourd'hui, ma soeur. Jesus Christ is calling you to change your lifestyle. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jésus Christ, beaucoup de personnes pensent à la légère. Today when they preach the gospel of the Lord Jesus Christ, people are taking it lightly. Lorsqu'on parle de Jésus Christ, beaucoup de personnes pensent comme des banalités. When we preach the Lord Jesus Christ, people take it for a joke. Lorsqu'on parle de Jésus Christ, beaucoup de personnes prennent ça comme des blagues. When we think we preach the Lord Jesus Christ, people take it for a joke. Lorsqu'on parle de Jésus Christ, beaucoup de personnes prennent ça comme des amusements. When we preach the Lord Jesus Christ, people take it for jokes. Alors que Jésus Christ est la vie. Of which Jesus Christ is love. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le tiens en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Pendant que tu es dans ce monde, que tu dois croire en Jésus Christ. This is why you are in this world that you need to believe parce in the Lord Jesus Christ. Là où tu auras besoin de Jésus Christ. It is coming where you will need the Lord Jesus Christ. Toute personne qui quitte dans ce monde a besoin de Jésus. Everyone living this world needs the Lord Jesus Christ. Lorsqu'une personne meurt. When a person dies. Quelle que soit la religion dans laquelle cette personne était. Whatsoever be your religion. Cette personne ne demande qu'une seule personne. That person is asking just for one person. Comment cette personne a besoin uniquement de Jésus? At that time, that person needs only the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Pendant que tu es dans ce monde. While you are in this world. Ne te laisse pas vaincre par ton incrédulité. Do not allow yourself to be overcome by your unbelief. Peut-être tu vas dire, moi j'ai déjà ma religion. Maybe you say you already have your religion. Moi je ne crois pas à vos choses là. You say you don't believe in that your thing. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas d'une religion. When we talk of the Lord Jesus Christ, it is not a religion. Jésus Christ n'est pas une religion. Jesus Christ is not a religion. Jésus Christ n'est pas une affaire d'église. Jesus Christ is not a matter of church. Parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle de Jésus Christ, c'est une affaire des églises réveillées. Because many people think when they preach the gospel of the Lord Jesus Christ, they are preaching only born again churches. Jésus Christ n'est pas une affaire des églises réveillées. Jesus Christ is not a matter of born again churches. Jésus Christ n'est pas une affaire de religion. Jesus Christ is not a matter of religion. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Lorsqu'on parle de Jésus Christ, on parle de la vie. When we preach the Lord Jesus Christ, we preach life. Lorsqu'on parle de Jésus Christ, on parle de celui-là qui te donne le souffle de vie. When we preach the Lord Jesus Christ, we preach He that gives life. Même si tu ne crois pas en Dieu, mon frère. Whether you don't believe in God. Dieu lui t'aime toujours. Jesus Christ still loves you. Il sait que tu es un ignorant. Because he knows you are ignorant. Tu ne sais rien. You don't know anything. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu as besoin de Jésus Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Tu as besoin de Jésus Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Tu as besoin de Jésus Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis
Verily, we tell you. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de celui-là qui veut te sauver. When we talk of the Lord Jesus Christ, we talk of him that wants to save you. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de celui-là qui veut que tu vives éternellement. When we talk of the Lord Jesus Christ, we talk of him that wants you to live everlastingly. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de celui-là qui veut ton bien. When we talk of the Lord Jesus Christ, we talk of him that wants only your good. Je te le dis en vérité, en vérité. My brothers, my sisters. Jésus-Christ est celui-là qui veut ton bien. Jesus Christ is he that wants your good. Jésus-Christ est celui-là qui veut ton bien. Jesus Christ is he that wants your good. Il est la seule personne qui veut ton bien. He is the only one that wants your good. Il est la seule personne qui t'aime plus que tout le monde. He is the only one that loves you more than every other person. Jésus-Christ est la seule personne qui t'aime plus que tout le monde. Jesus Christ is the only one that loves you more than everyone. Et il veut te sauver. And he wants to save you. En te donnant la vie éternelle. By giving you everlasting life. Accepte la vie, mon frère. Accept life. C'est lui qui reçoit Jésus-Christ a reçu la vie. He that received the Lord Jesus Christ has received life. C'est lui qui accepte Jésus-Christ a reçu la vie. He that accepted the Lord Jesus Christ has received life. C'est lui qui accepte de croire en Jésus-Christ a aussi reçu la vie éternelle. He that accepted to believe in the Lord Jesus Christ has also accepted everlasting life. La vie éternelle se trouve en Jésus, mon frère. Eternal life is found in the Lord Jesus Christ. La vie se trouve en Jésus-Christ. Life is found in the Lord Jesus Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Beside the Lord Jesus Christ, there is no life. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ, mon frère. There is no life without the Lord Jesus Christ. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ, mon frère. There is no life without the Lord Jesus Christ. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus. This is the time for you to believe in the Lord Jesus Christ. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Afin d'avoir la vie éternelle. So that you have everlasting life. Mon frère, ma sœur. My brothers, my sisters. Son âme a besoin de vivre éternellement. Your soul needs to live everlastingly. Il y a quelque chose en toi qui vivra éternellement. There is something in you that will live eternally. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui vivra éternellement. There is something the Lord has placed in you that will live everlastingly. C'est ton âme qui vivra éternellement, mon frère. It is your soul that will live everlastingly. Ton âme est censée vivre éternellement. Your soul will live forever. Ton âme vivra éternellement. Your soul will live forever. Mais cependant, ta manière de vivre dans ce monde conditionne le sort de ton âme. Your manner of life in this world is best sealing your final judgment. La manière dont tu vis présentement est en train de sceller le sort de ton âme. The way you are living presently is sealing your final judgment. Mon frère, ma soeur. My brothers. C'est maintenant que tu dois chercher le salut de ton âme. It is now you need to seek for the salvation of your soul. Et maintenant que tu dois chercher le salut de ton âme. This is the time to seek the salvation for your soul. En donnant ta vie à Jésus-Christ. By giving your life to the Lord Jesus Christ. En prenant l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. By taking an engagement to follow the ways of God. C'est pendant que tu es vivant que tu dois chercher le salut de ton âme. It is why you are alive that you need to seek for the salvation of your soul. C'est pendant que tu es vivant que tu dois chercher le salut de ton âme. It is why you are alive that you need to seek for the salvation of your soul. Après la mort, ça ne sera plus possible. After death, it will not be possible. Après la mort, ça ne sera plus possible. After death, it will not be possible. La repentance n'existe pas après la mort. There is no repentance after death. La repentance n'existe pas après la mort. There is no repentance after death. C'est maintenant que tu dois te repentir. This is the time for you to repent. C'est maintenant que tu dois te repentir. This is the time for you to repent. Afin d'avoir la vie éternelle. So that you can have everlasting life. Afin d'être sauvé. So that you can be saved. Afin d'être sauvé. So that you can be saved. C'est maintenant que tu dois te repentir. This is time for you to repent. C'est maintenant que tu dois te repentir. This is time for you to repent. C'est maintenant que tu dois chercher le salut de ton âme. This is time to seek for the salvation pendant of your soul. Pendant que tu es encore vivant. While you are still alive. Pendant que tu es encore dans ce monde. While you are still in this world. Tu dois rechercher le salut de ton âme. You need to seek for the salvation Parce of your soul. La manière dont tu vis dans ce monde va déterminer ton sort final. Because the way you live life on earth will determine your final judgment. Ta manière de vivre dans ce monde va déterminer ton sort final. Your way of life will determine your final judgment. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. L'éternité est une réalité. Eternity is a reality. Lorsqu'on parle de l'enfer, c'est une réalité. When we talk of hellfire, it's a reality. Lorsqu'on parle de l'enfer, c'est une réalité. When we talk of hellfire, it is a reality. Lorsqu'on parle du paradis de Dieu, c'est une réalité. When we talk of heaven, it is a reality. Je te le tiens vérité, en vérité. We tell you for truth. Si tu es dans ce monde, mon frère. If you are in this world. C'est pour être approuvé par Dieu et vivre éternellement auprès de lui. It is to be approved by God and live eternally by His side. Si tu es dans ce monde, ma soeur. If you are in this world. C'est pour faire un choix. It is to make a choice. Tu es censé choisir les voies de l'Éternel. You need to choose the ways of God. Tu es censé choisir la volonté de Dieu pendant que tu es dans ce monde. You need to choose the will of God while you are in this world. Afin d'avoir la vie éternelle. So that you have everlasting life. Tu es censé vivre selon la volonté de Dieu. You need to live according to the will of God. Afin d'avoir la vie éternelle. So that you have everlasting life. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu vis dans ce monde, mon frère. If you live in this world. C'est pour vivre selon la volonté de Dieu. It's to live according to the will of God. Si tu es dans ce monde, ma soeur. If you are in this world. C'est pour faire la volonté de Dieu. It's to do the will of God. Si tu es actuellement parmi les vivants. If you are presently among the living. C'est pour faire la volonté de Dieu. It's to do the will of God. Et non ta propre volonté. And not your own will. Parce qu'en faisant ta propre volonté. Because by doing your own will. Tu es en train d'obéir à Satan. You are obeying the devil. En faisant ta propre volonté. By doing your own will. Tu es en train d'obéir au diable. You are obeying the devil. Tu es censé vivre selon la volonté de Dieu. You need to live according to the will Parce of God. Parce que tu as été créé par Dieu. Because
because you were created by God. You are not to live according to the desires of your heart. You are not to do of your life what you want. Because it is God that created you. It is God that created you. So you need to live according to the will of God. You don't need to do what you want. You are not to live your life the way you want. Because you were created by God. If you choose to live according to the desire of your flesh, if you choose to live according to your will, you are obeying the devil. And when you leave this world, you will spend your eternity by the devil. Because you spend your time serving the devil. You spend your time serving the devil. My brothers and sisters, there are two final destinations where everyone that is living in this world will stand before. When you leave this world, tu auras des comptes à rendre à Dieu. You will need to give an account to God. For you to be approved by God or to be rejected by God. Ta manière de vivre dans ce monde va déterminer ton sort final. Your manner of life in this world will determine your final judgment. Ta manière de vivre dans ce monde va déterminer ton sort final. Your way of life on this earth will determine your final judgment. L'enfer et le paradis existent, mon frère. Hellfire and hell exist. Et ça n'existe pas dans ce monde comme plusieurs existent. And it is not in this world like many people think. L'éternité est une réalité. Eternity is a reality. Notre temps est limité dans ce monde. Our time is limited in this world. La fin de tes jours va arriver. When the end of your time will come, tu vas partir. You will go. Ton corps va retourner à sa nature propre qui est la poussière. Your body will go back to the dust. Parce que ton corps est poussière et il retournera à la poussière. Because your flesh is dust and it will go back to the dust. Mais c'est qui est en toi qui vivra éternellement. But it is what is in you that will live forever. C'est ton âme qui vivra éternellement. It is your soul that will live forever. Ton âme ne mourra pas, mon frère. Your soul will not die. Mais ta chair va retourner à sa nature propre qui est la poussière. But your soul will go, your flesh will go back to the dust. C'est ce que plusieurs personnes appellent la mort. That is what many people call death. C'est pas ça la mort, mon frère. That is not really. C'est juste un changement de dimension. You are only changing dimension. La véritable mort, c'est le fait d'être rejeté par Dieu. Real death is to be rejected by God. La véritable mort, c'est le fait d'être balancé en enfer pour l'éternité. Real death is to be thrown into hellfire forever. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Lorsque ton temps va finir, when your time is expired, tu vas partir. You will leave this world. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu. And you will give an account. Tu vas devoir t'expliquer devant Dieu. You will need to give an explanation. Tu vas devoir donner des comptes à Dieu. You will need to give an explanation. Tu vas rendre compte à Dieu. You will need to give an account to God. Je te demanderai des comptes. God will ask you to give an account. Pour la manière dont tu as mené ta vie dans ce monde. For the way you have been living life or not. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Que tu le crois ou pas, mon frère. Whether you believe it or not. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Que tu le veux ou pas. Whether you want it or not. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. You will need to give an account to God. Lorsque tu quitteras ce monde. When you leave this world. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. You will need to give an account to God. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Que diras-tu à Dieu? What will you tell God? Lorsque tu quitteras ce monde. When you leave this world. Que diras-tu à Dieu? What will you tell God? Lorsque ton temps de partir va arriver. When your time to depart. Que diras-tu à Dieu? What will you tell God? Lorsque tu seras de l'autre côté. When you will be on the other side. Que diras-tu à Dieu? What will you tell God? Lorsque tu seras de l'autre côté. When you will be on the other hand. Ma foi, lorsqu'on parle de mort, on a l'impression que ça concerne uniquement certaines personnes. When they talk of death, you think it concerns only others. Lorsqu'on parle de mort, on a l'impression que ça concerne d'autres, que ça nous concerne pas. When we talk of death, we think it concerns only others. It does not concern us. Quand on parle de mort, beaucoup de personnes pensent que ça ne les concerne pas. When they talk of death, many people think it does not concern them. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Un jour, tu vas partir. One day, you will die. Tout à l'heure, on est passé là avec un jeune homme. Just now, they passed here with a young man. On le transportait dans un cercueil. They were passing with him C'est le passage de tout le monde. That is the way of everyone. Le chemin de tout le monde. It is the road of everyone. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell tout you. Tout le monde va passer par là. Everyone will pass that tout way. Tout le monde va passer par là. Everyone will pass that way. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Et si tu quittes ce monde, mon frère. And if you leave this world. Sans te repentir. Without repenting. Sans abandonner le mal. Without abandoning evil. Sans prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. Without taking an engagement to follow the law. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je ne te souhaite pas l'enfer, mon frère. We don't wish hellfire for you. Mais tu iras en enfer. But you will go to hell. Parce que tu as toi-même préféré aller en enfer. Because you have chosen hellfire for yourself. Une personne qui préfère vivre selon les désirs de son cœur se déclare candidat pour l'enfer. Everyone that chooses to live according to his flesh has chosen hellfire for himself. Une personne qui préfère vivre selon les désirs de son cœur se déclare candidat pour l'enfer. Everyone that chooses to please the flesh has chosen himself to be a candidate to hellfire. Je ne sais pas pour toi si l'enfer, le paradis, c'est dans ce monde. We don't know whether you think hellfire heaven is in this one. Si c'est ce que tu penses, il n'y a pas de problème. If that is what you think, there's no problem. Ce que tu penses n'est pas important.
What you think is not important? L'enfer, le paradis existe, mon frère. Hellfire and heaven exist. Et ce n'est pas dans ce monde. And it is not in this world. Lorsque tu quitteras ce monde, when you leave this world, tu sauras la réalité. You will know the reality. Tu feras les choses de manière exacte. You will do things exactly. Mais il ne faut pas que tu sois dans les regrets, mon frère. But you don't need you to be in regret. Il ne faut pas que tu sois dans les regrets lorsque tu partiras. It does not need you to be in regret when you leave this world. C'est la raison pour laquelle Dieu t'appelle à changer de vie. That is why God calls you to change your life. C'est la raison pour laquelle Dieu t'appelle à changer de vie. That is why God asks you to change your life. C'est la raison pour laquelle Dieu t'appelle à changer de vie. That is why God calls you to change your life. Il ne faut pas que tu sois dans les regrets lorsque tu quitteras ce monde. You don't need to live in regret when you leave this world. C'est maintenant que tu dois changer de vie. It is now you need to change your lifestyle. Maintenant que tu dois changer de vie. It is time for you to change your lifestyle. Quand jour tu vas partir. Because one day you will leave this world. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. And you will need to give account to God. Lorsque tu seras devant Dieu, mon frère. When you will be before God. Que diras-tu à Dieu? What will you tell God? Que diras-tu à Dieu? What will you tell God? Que diras-tu à Dieu? What will you tell God? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu vis? What are you doing while you are alive? Qu'est-ce que tu fais pendant que tu vis? What are you doing while you are alive? Tu fais quoi pendant que tu vis, mon frère? What are you doing while you are alive? Quelle est ta manière de vivre, mon frère? How are you living your life? Quelle est ta manière de vivre, ma soeur? How are you living your life? Est-ce que pour toi le plus important c'est l'argent? For you is the most important money. Est-ce que pour toi le plus important c'est les plaisirs du monde? Is the most important the pleasures of this world? Est-ce que pour toi le plus important c'est la vie des pas et les boîtes de nuit? Is the most important moving from bar to bar, nightclub to nightclub? Est-ce que pour toi le plus important c'est les femmes? Is the most important jumping from one woman to another? Ma soeur. My brothers. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu vis? What are you doing while you are alive? Est-ce que pour toi le plus important c'est de chercher l'argent par tous les moyens? Is the most important for you to look for money up and down by every cost? Est-ce que pour toi le plus important c'est de vivre dans la prostitution? Is the most important for you to live in prostitution? Qu'est-ce que tu fais pendant que tu vis, mon frère? What are you doing while you are alive? Je te rappelle que tu auras des comptes à rendre à Dieu. We remind you that you have an account. Tu auras des comptes à rendre à l'Éternel. You have an account to give. Que tu le crois ou pas, mon frère. Whether you believe it or not. Est-ce que ton temps va arriver de partir, tu vas partir? When your time reaches, you depart, you will go. Tu auras des comptes à rendre à l'Éternel. And you will need to give an account to God. Quelle est ta manière de vivre présentement? How are you living presently? Qu'est-ce que tu fais pendant que tu es dans ce monde? What are you doing while you are in this world? Quelle est ta manière de te comporter, mon frère? How are you comporting? Quelle est ta manière de mener ta vie, ma soeur? How are you behaving? Quelle est ta manière de voir les choses dans ce monde? How are you living your life? Quelle est ta manière de traiter les gens qui sont autour de toi? How are you treating people by you? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le tiens en vérité. Very, very, tout ce que tu fais présentement est noté quelque part. Everything you are doing presently is noted somewhere. Chacun va répondre des actes qu'il aura posé dans ce monde. Every man will give an answer for the act he has been living. Chacun aura des comptes à rendre à Dieu pour la manière dont il a vécu dans ce monde. Everyone, we have an account to give to God of how we have been living. Je te le tiens en vérité. Very, very, peut-être tu penses que lorsque tu vas mourir, tu vas te perdre. Maybe you think when you die, you will get peut-être lost. Tu penses que lorsqu'on parle de mort, ça va être tout fini, on disparaît. Maybe when in the talk of death, you think everything is finished and you will just disappear. Oui, peut-être qu'on disparaît physiquement, mais spirituellement, tu es toujours là. Spiritually, you are still there. Je te le tiens en vérité. Very, very. Tu as des comptes à rendre à l'Éternel. You have an account to give. Qu'est-ce que tu diras à Dieu, mon frère? What will you tell God? Qu'est-ce que tu diras à Dieu, ma soeur? What will you tell God? Qu'est-ce que tu diras à Dieu lorsque tu What will you tell God when you leave this world? Maintenant que tu dois chercher le salut de ton âme. This is the time to seek for the salvation of your soul. Parce que c'est lorsque tu seras devant Dieu, tu ne trouves rien à dire à l'Éternel, tu seras rejeté par lui. Because if you stand before God and you find nothing to tell him, you will be rejected by him. C'est maintenant que tu dois arranger ta vie. This is the time for you to arrange your life. C'est maintenant que tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. This is time for you to put your life. C'est maintenant que tu dois faire la paix avec Dieu. This is time to make peace with God. Toute personne qui vit selon le désir de son cœur n'est pas en paix avec Dieu. Everyone living according to the pleasures of his flesh is not in peace with God. Parce que cette personne s'est rendue ennemie de Dieu. Because that person has made himself an enemy to God. Par ta manière de vivre, tu te rends ennemi de Dieu sans le savoir. By your way of life, you are making yourself an enemy to God without knowing. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. And this is time for you to make peace with Jesus. Par ta manière de te conduire, tu te rends ennemi de Dieu sans le savoir. By your lifestyle, you are making yourself an enemy to God. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. This is time to make peace with God. Par ta manière de vivre, tu te rends ennemi de Dieu sans le savoir. By your way of life, you are making yourself an enemy to God. Par ta manière de te conduire dans ce monde, tu te rends ennemi de Dieu sans le savoir. By the way you are living life on earth, you are making yourself an enemy to God. Et c'est le moment de faire la paix avec Dieu. And this is time to make peace with God. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. This is time to make peace with God. En abandonnant le mal. By abandoning it. Prenant l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. And taking an engagement to live according to the will of God. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Le moment de repentance est arrivé. The
The time for repentance has come. Le moment de repentance est arrivé. The time for repentance has come. Maintenant que tu vas te repentir. This is time for you to repent. Et maintenant que tu dois prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. It is time to take an engagement to follow God. Et maintenant que tu dois prendre l'engagement de suivre la volonté de Dieu. It is time to take an engagement and follow God. Je te le tiens en vérité, en vérité. Verily, verily, I tell you. Parce qu'au fur et à mesure que les années avancent, tes jours sont en train de reculer. As years are passing by, your years are also expiring. Au fur et à mesure que les années avancent, tes jours reculent en arrière. As years are passing by, your days are expiring. Ton temps est en train de finir, mon frère. Your time is finishing. Et si ton temps finit, and if your time finishes, sans que tu ne t'aies repenti, without you repenting, sans que tu n'aies reçu le pardon de Dieu pour tes péchés, without you receiving the forgiveness of God for your sins, mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters, je te le tiens en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu vas le regretter. You will regret it. Tu vas vraiment le regretter. You will regret it. Et parce que Dieu ne veut pas que tu sois dans les regrets, mon frère. And because God does not want you to live in regret. Il t'appelle à changer de vie pendant que tu as encore peu de temps dans ce monde. He calls you to change your life while you are still having time on this earth. Parce que le banditisme dans lequel tu vis va te conduire très loin. Because the armed robbery you are living in will take you very far. La sorcellerie dans laquelle tu vis va te conduire très loin. The witchcraft you are living in will take you very far. La malhonnêteté dans laquelle tu vis va te conduire très loin. The dishonesty you are living in will take you very far. L'ivrognerie dans laquelle tu vis va te conduire très loin, mon frère. The drunkenness you are living in will take you very far. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, tell you. C'est maintenant que tu dois te repentir. It is now you need to repent. Prends l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. And take an engagement to follow the Lord. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Tu as longtemps vagabondé avec les femmes. You are so long living fornication with women. Tu as longtemps mené cette mauvaise vie d'abomination. You are so long live that evil life of abomination. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, tell you. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Tu dois te repentir et abandonner cette mauvaise vie avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent and abandon that evil life before it be too late. Dieu t'appelle à la repentance, mon frère. God is calling you to repentance. Dieu t'appelle à la repentance, ma soeur. God is calling you to repentance. Tu as longtemps vendu ton corps aux hommes. You have so long sold your body to. Tu t'es longtemps prostitué. You have so long lived prostitution. À cause des miettes. Because of small things. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Tu dois te repentir de ta mauvaise vie, ma soeur. You need to repent of your evil life. Tu as longtemps vécu dans l'abomination. You have so long stayed in abominations. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. C'est maintenant que tu dois prendre l'engagement d'abandonner cette mauvaise vie. This is time to take an engagement to abandon that evil life. Si tu continues dans cette vie de prostitution, ça va t'amener très loin. If you continue in prostitution, you will go very far. Je te le dis en vérité, ma soeur. My brothers, my sisters. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your life. C'est maintenant que tu dois changer de vie. This is the time to change your life. Dieu t'appelle à abandonner la prostitution, ma soeur. God wants you to abandon prostitution. Ton temps de repentance est arrivé. Your time of repentance has come. Le Seigneur Jésus-Christ veut te délivrer de cette mauvaise vie. The Lord Jesus Christ wants to deliver you. Lorsqu'on parle de prostitution, ce n'est pas seulement celle qui se place au coin la nuit. When we talk of prostitution, it's not only those that stand by the road in the night. La prostitution n'est pas seulement le fait de vendre son corps pour de l'argent dans la nuit. Prostitution is not only standing in the night by the road. Toute personne qui pratique des rapports sexuels sans être marié est une prostituée. Everyone that is committing sex without getting married is a prostitute. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Jésus Christ t'appelle à la repentance. And Jesus Christ is calling you to repent. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est maintenant que tu dois changer de vie, ma soeur. It is now you need to change. C'est maintenant que tu dois changer de vie. It is now you need to change. Parce que c'est une vie de prostitution. Because it is a life of prostitution. La vie de fornication est une vie de prostitution. The life of fornication is a life of prostitution. Et aucun prostitué ne pourra voir l'Éternel. And no prostitute will see the Lord. Aucune prostituée n'entrera dans le royaume des cieux. No prostitute will enter in the kingdom of God. À moins qu'elle ne se repente. Except that person repents. Tu dois te repentir, ma soeur. You need to repent, my sister. Tu dois te repentir, ma soeur. You need to repent, my sister. Tu dois te repentir, ma soeur. Je te le tiens en vérité. Verily, verily, tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. C'est maintenant que tu dois te repentir. This is the time for you to repent. Tu as longtemps vécu dans la fornication. You have so long stayed in fornication. Depuis des années, tu t'habilles pour séduire les hommes. For many years, you have been dressing to seduce men. C'est le moment de te repentir, ma soeur. This is time for you to repent. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Dieu t'appelle à changer de vie, ma soeur. God is calling you to change your life. C'est une mauvaise manière de vivre. That is an evil way of living life. C'est une mauvaise manière de faire les choses. That is an evil way of life. Dieu veut que tu changes de vie aujourd'hui. God wants you to change your way of life. Parce que si tu continues dans cette vie de prostitution, ça va t'amener loin. Because if you continue in prostitution, you will go very far. Repent-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it be too late. Repent-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it be too late. Tu as longtemps vécu dans le banditisme, mon frère. You have so long stayed in
problem. Depuis les années, tu viens le changer. For many years, you have been living in exchange. Tu vends des vêtements, mais après tu donnes des cartons aux gens. You sell a cloth after you give cartons to people. Tu présentes des vêtements aux gens, mais en arrière tu les donnes des cartons mouillés. You present dresses to people and after you give them wet cartons. Mon frère, my brother, c'est pour toi que Jésus-Christ nous envoie dans ce marché. You are the reason for which the Lord Jesus Christ has sent us. Nous sommes là aujourd'hui, mon frère. You are the reason for which we are here. J'ai longtemps vécu dans cette malhonnêteté. You are so long staying in that dishonesty. Aujourd'hui, l'Éternel veut que tu te repentes, mon frère. But today the Lord wants you to repent. Parce que si tu continues dans cette mauvaise vie, ça va te conduire loin. Because if you continue in that evil life, you will go very far. Depuis les années, tu réussis, tu penses que tu maîtrises. Depuis les années, tu réussis tes cours et tu penses que tu maîtrises. For many years, you have been succeeding and you think you are a master. Tu distribues des cartons mouillés aux gens au lieu des vêtements. You take nonsense and give to people instead of dresses. Et tu te prends pour un sensé. And you think you are wise. Tu te prends pour un dumb man, comment dis-tu souvent? You think you are a dumb man. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Je le tiens en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu te retrouves dans cette affaire. If you are in that si state. Si tu te reconnais dans cette affaire. If you recognize yourself in that state. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Ton temps d'abandonner les cartons est arrivé. Your time to abandon those things has come. Ton temps de déposer les plastiques de carton est arrivé. Your time to abandon those things has come. Tu dois déposer les plastiques de carton, mon frère. You need to abandon those things. Tu dois abandonner cette mauvaise pratique. You need to abandon that evil practice. Tu dois abandonner cette mauvaise pratique. You need to abandon that evil practice. Parce que cette abomination risque de te conduire très loin. Because that abomination will take you very far. Je te le tiens en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu dois changer de vie aujourd'hui, mon frère. You need to change your life. Tu dois changer de vie aujourd'hui, mon frère. You need to change your life. Tu dois changer de vie aujourd'hui, mon frère. You need to change your life. La malhonnêteté est une abomination devant l'Éternel. Honesty is abomination before God. C'est pour toi que Jésus qui nous envoie dans ce marché. For the reason the Lord has sent us to this depuis market. Depuis des années, tu vis dans cette abomination. For many years you have been living in that abomination. Depuis des années, tu vis dans cette abomination. For many years you have been living in that abomination. Tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. You think nobody is seeing you, but God is seeing you. Dieu te voit, mon frère. God is seeing you. Et aujourd'hui, il t'interpelle. And today is calling for you. Il t'appelle à abandonner les plastiques de carton. He tells you abandon that style. Tu dois déposer les plastiques de carton, mon frère. Abandon that lifestyle. Tu dois arrêter cette mauvaise pratique. Abandon that lifestyle. Parce que ça va te conduire très loin. Because it will take you very far. Abandonne la malhonnêteté, mon frère. Abandon dishonesty. La malhonnêteté est un danger pour ton âme. Dishonesty is very dangerous for your soul. Si tu continues dans cette mauvaise vie, mon frère. If you continue in that life. Tu vas le regretter, mon frère. You will regret it. Tu vas le regretter, mon frère. You will regret it. C'est le moment de changer de vie. It is time to change your life. C'est le moment de changer de vie. It's the time to change your life. Depuis des années, tu fonctionnes avec le deux doigts. For many years you are. Tu te prends pour quelqu'un qui maîtrise. You say you are a master. Tu soutiens les portefeuilles. You steal people's. Tu soutiens les téléphones. You steal people's phone. Mon frère. My brother. C'est pour toi que Jésus nous envoie dans ce marché. For the reason the Lord has sent us. Parce que tu as besoin de délivrance. Because you need deliverance. Tu as besoin d'être délivré, mon frère. You need to be delivered. Tu as besoin d'être délivré. You need to be delivered. Jésus Christ veut te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ wants to deliver you. Parce que tu as les mauvais esprits en toi. Because you have evil spirit. Il est plus les années tu te reconnais dans cette affaire. For many years you have recognized yourself in that state. Tu soutiens les gens n'importe comment. You steal from people anyhow. Tu voles de manière technique. You steal by a technical means. Jésus Christ va te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ wants to deliver you today. Il est prêt à te délivrer aujourd'hui. He is ready to deliver you. C'est aujourd'hui qui va te délivrer. It is today he wants to deliver you. Je te le tiens en vérité. Verily, verily, we tell you. Parce que si tu continues dans cette mauvaise vie. If you continue in that evil life. Ça va te coûter cher, mon frère. It will be very expensive for you. Ça va te coûter cher, mon frère. It will be very expensive for you. Ça va te coûter cher, mon frère. It will be very expensive for you. Tu dois abandonner cette mauvaise vie. You need to abandon that evil life. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Tu dois abandonner cette mauvaise vie. You need to abandon that evil life. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Pour toi qui arraches les sacs. For you that is seizing people's bags. Tu as l'habitude d'arracher les sacs. You seize people's bags. Tu tapes les sacs. You steal people's bags. Vous appelez ça tapeur de quoi? You say you are stealing of bags. Les tapeurs de quoi? You steal bags. Mon frère. My brothers, my sisters. C'est pour toi que Jésus Christ nous envoie dans ce marché. The reason for which God has sent us to this market. Toi qui se prends pour un tapeur. You that take yourself for a thief. Jésus Christ t'appelle à la délivrance, mon frère. Jesus Christ calling you for deliverance. Peut-être toi tu te prends pour un sage. Maybe you think you are wise. Mais le diable t'acclame chaque fois que tu fais ça. But the devil is clapping for you when you do that. Il dit seulement meurs dans cette position, tu vas voir ce qui va t'arriver. He says die in that position, you see what will happen to you. Mon frère, my brothers, tu dois te repentir. You need to repent. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. Tu as longtemps vécu dans ces choses. You are so long stayed in those things. Tu as longtemps vécu dans ces choses. You are so long stayed in those things. Jésus Christ t'appelle à abandonner cette mauvaise pratique, mon frère. Jesus Christ is calling you to abandon. C'est pour toi que Jésus Christ nous envoie dans ce marché. You are the reason the Lord Jesus Christ is calling you. Toi qui as l'habitude d'arracher les sacs. You that seize people's bags. Toi qui as l'habitude de soutirer. You that steal from people.
aujourd'hui que Jésus-Christ va te délivrer, mon frère. Today the Lord Jesus Christ wants to deliver you. C'est aujourd'hui que Jésus-Christ va te délivrer. Today the Lord Jesus Christ wants to deliver you. C'est aujourd'hui que Jésus-Christ va te délivrer. It is today the Lord Jesus Christ wants to deliver you. If you are in this market, et que tu te reconnais dans cette affaire, and you recognize yourself in this matter, tu soutiens les téléphones, you steal people's home, tu arraches les sacs, you assist people's bags, tu fais les changer, you change people's dresses. Mon frère, my brothers, viens, on va prier pour toi. Come, we pray for you. On va prier pour ta délivrance. We pray for your deliverance. Parce que Jésus-Christ veut te délivrer aujourd'hui. Because Jesus Christ wants to deliver you. Jésus-Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as les mauvais esprits en toi, mon frère. What you don't know is that you have an evil spirit. Et ces mauvais esprits ont pour rôle de te conduire en enfer. And those evil spirits have a duty to take you to hellfire. On va prier pour toi, mon frère. We pray for you. Si tu te reconnais dans ça, if you recognize yourself in this, Jésus-Christ veut te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ wants to deliver you today. Jésus-Christ veut te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ wants to deliver you today. Jésus-Christ veut te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ wants to deliver you today. Jésus-Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you today. Jésus-Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you today. Jésus-Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you today. Jésus-Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you today. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, we tell you. Jésus-Christ t'aime beaucoup, mon frère. Jesus Christ loves you so much. Jésus-Christ t'aime beaucoup, mon frère. Jesus Christ loves you so much. Pour toi qui vis dans ces choses. For you that is living in those things. Pour toi qui vis dans cette abomination. You that is living in this abomination. Depuis des années. For many years. Depuis des années. For many years. Aujourd'hui là. Today. Jésus-Christ veut faire quelque chose pour toi. Jesus Christ wants to do something for you. Jésus-Christ veut faire quelque chose pour toi. Jesus Christ wants to do something for you. Jésus-Christ veut faire quelque chose pour toi. Jesus Christ wants to do something for you. Jésus-Christ veut faire quelque chose pour toi. Jesus Christ wants to do something for you. Aujourd'hui, il veut te délivrer. Today, he wants to deliver you. Aujourd'hui, il veut te délivrer. Today, he wants to deliver you. Parce que si la mort te couvre dans cette position. Because if death meets you in that position. Si la mort te couvre dans cet état de soutireur. Then meet you as a thief. Si la mort te couvre dans cet état d'arracheur de sacs. Then meet you as a thief. Tu vas te retrouver en enfer au siècle des siècles. You will find yourself in hellfire forever and ever. C'est maintenant que tu dois te repentir, mon frère. This is the time for you to repent. C'est maintenant que tu dois te repentir, ma soeur. This is the time to repent. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Repent-toi avant qu'il ne soit trop tard, mon frère. Repent before it be too late. Repent-toi avant qu'il ne soit trop tard, mon frère. Repent before it be too late. Repent-toi avant qu'il ne soit trop tard, mon frère. Repent before it be too late. Jésus Christ est là pour toi aujourd'hui. Jesus Christ is here for you. Jésus Christ nous envoie pour toi aujourd'hui. Jesus Christ sent us for you today. Jésus Christ nous envoie pour toi aujourd'hui. Jesus Christ sent us for you today. Jésus Christ nous envoie pour toi aujourd'hui. Jesus Christ has sent us for you today. Aujourd'hui, le jour de ta délivrance. Today is the day of your deliverance. Pour toi qui es esclave de ces choses. For you that is a slave to this. Pour toi qui es esclave de ces choses. You that is a slave to these things. Jésus Christ veut te délivrer, mon frère. Jesus Christ wants to deliver you. Jésus Christ veut te délivrer. Jesus Christ wants to deliver you. Accepte Jésus Christ dans ta vie, mon frère. Accept Jesus Christ in your life. Et tu seras délivré. And you will be delivered. Accepte Jésus Christ dans ta vie. Accept the Lord Jesus Christ. Et tu seras sauvé. And you will be saved. Accepte Jésus Christ, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ. Et tu seras sauvé. And you will be saved. Accepte Jésus Christ, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ. Et tu seras sauvé. And you will be saved. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Beaucoup de personnes ne croient pas en Jésus Christ. Many people do not believe in the Lord Jesus Christ. Beaucoup de personnes ne croient pas en Jésus Christ. Many people do not believe in the Lord Jesus Christ. Sous prétexte que c'est une affaire de dénomination. That you, because they say it is an affair of denominations. Sous prétexte que c'est une affaire des églises. Because they say it is a matter of church. Sous prétexte que c'est une affaire des églises réveillées. They say it is an affair of a born again church. Ah, moi je suis catholique, moi je ne suis pas dans les églises réveillées. I know I'm a Catholic, I'm not in those things of born again churches. Ah, moi je suis témoin de Jéhovah, moi je ne suis pas dans les églises réveillées. Oh, I'm a Jehovah Witness, I'm not in those things of born again churches. Ah, moi je suis adventiste, moi je ne suis pas dans les conneries là. Oh, I am an Adventist, I'm not in those nonsense. Moi je suis protestant, moi j'ai ma manière à moi de croire en Dieu. Oh, I'm a protestant, I have my own way to believe in God. Moi je suis Camille, je crois à la tradition. Mais je ne suis pas dans les choses là. I believe in tradition, I'm not in those things. Moi je suis adorateur des crânes, moi je ne crois pas en Jésus. You say I believe in scores, I'm not in those things. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Si c'est ton langage. If that is your lifestyle. Tu as besoin de délivrance, mon frère. You need deliverance. Parce que Jésus Christ n'est pas une affaire de religion. Because Jesus Christ is not an affair of religion. Jésus Christ n'a rien à voir avec la religion, mon frère. Jesus Christ has nothing to do with religion. Jésus Christ est le Dieu tout puissant que tout être humain doit adorer. Jesus Christ is the almighty God that everyone needs to worship. Si tu refuses de croire en Jésus Christ, sous prétexte que toi tu as ta religion, tu te trompes largement. If you reject the Lord Jesus Christ and you have your religion, you are deceiving yourself. Si tu refuses de croire en Jésus Christ sous prétexte que mes parents ne sont pas dans ces choses, tu te trompes largement. If you reject the Lord Jesus Christ and your parents are not in those things, you are deceiving yourself. Si tu refuses de croire en Jésus Christ sous prétexte que moi je suis ceci, je suis cela, tu te trompes largement. If you reject the Lord Jesus Christ by saying you are one thing or the other, you are deceiving yourself. Si tu refuses de croire en Jésus
Jésus-Christ sous prétexte que moi je crois à la tradition, tu te trompes. If you reject the Lord Jesus Christ by saying you believe in tradition, you are deceiving yourself. Et tu refuses de croire en Jésus-Christ sous prétexte que toi tu adores les crânes, toi tu vénères les crânes, toi c'est le culte des crânes que toi tu pratiques. If tu te trompes. If you say you are a worshipper of skulls, you reject the Lord Jesus Christ, you are deceiving yourself. Le souffle de vie que tu as en toi, pour toi qui adorateur des crânes là. Est-ce que c'est le crâne qui te donne le souffle de vie que tu as? Is this God that is giving you the air you are breathing? Le crâne de ton ancêtre est mort depuis. Your ancestors died long ago. Ton ancêtre est mort depuis. Your ancestors died long ago. Et vous ne savez pas que ce sont les mauvais esprits qui vous embrouillent. And you don't know that there are demons that are disturbing you. Tu vas me dire que quand je passe souvent adorer les crânes, ma vie donne souvent après. You say when you worship scores, your life will give very well. Tu vas me dire que quand je passe souvent au village pour adorer les crânes, c'est souvent une bénédiction, après mes affaires fonctionnent souvent. You say when you go and worship scores, after that you will business will prosper. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters, je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, la parole de l'Éternel déclare. The word of God declares. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. It is the gift of God that make it rich and adds no sorrow. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre te bénit en dehors de l'Éternel, it means if somebody else blesses you out of the law, les chagrins vont suivre. It means sorrow will come. Ça veut dire que le bénéfice que tu vois souvent après avoir adoré les crânes va te coûter cher. It means the benefit you have after worshiping scores will be very expensive. Un jour ça va te coûter cher, mon frère. One day will be very expensive. Tu ne vas même pas savoir ce qui va se passer. You will not know what has happened. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you by truth. C'est le moment d'abandonner les crânes, mon frère. It is time to abandon scores. Pour toi qui as l'habitude d'aller au village pour adorer ces choses, you that go to the village to adore those things. La parole de l'Éternel nous pose une question, que quel rapport y a-t-il entre les vivants et les morts? The word of God asks us what relationship have the living and the dead. Et toi tu pars te prosterner devant les crânes. And you go and bow before scores. Tu verses des choses. You throw libations. Tu fais des abominations. You make abominations. Mon frère. My brothers. Je te le tiens en vérité, en vérité. Very, very, we tell you. Ce sont les mauvais esprits que tu passes souvent à donner. They have evil spirits to go to worship. En croyant que ce sont les esprits de tes ancêtres. By thinking they are spirits of your ancestors. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir, mon frère. It is today you need to repent. C'est aujourd'hui que Jésus-Christ veut que tu te repens. It is today the Lord Jesus Christ wants you to repent. Ce ne sont pas ces crânes que tu passes souvent à donner qui te donnent le souffle de vie. Because those crowns are not the ones giving you life. Il y a une seule personne qui a la capacité et le pouvoir de donner le souffle de vie à un être humain. Only one person has the ability to give life to human beings. Cette personne c'est Jésus Christ. That person is the Lord Jesus Christ. Cette personne c'est Jésus Christ. That person is the Lord Jesus Christ. Ce n'est que Jésus Christ que tu dois adorer dans ta vie. Only the Lord Jesus Christ you need to worship. Ce n'est que Jésus Christ que tu dois adorer dans ta vie. Only the Lord Jesus Christ you need si to worship. Si tu adores quelqu'un d'autre dans ta vie, if you worship someone else, en dehors de Jésus Christ, out of the Lord Jesus Christ, dans l'égarement, you have been lost. Si tu adores une autre chose en dehors de Jésus Christ dans ta vie, if you adore anything else apart from the Lord Jesus Christ, tu es dans l'égarement, you are lost. Je te le tiens en vérité. Very, we tell you. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your lifestyle. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your lifestyle. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your lifestyle. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your lifestyle. Dieu t'appelle à changer de vie. God wants you to change your lifestyle. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your lifestyle. Beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu. Many people do not believe in God. Plusieurs personnes ne croient pas en Dieu. Many people do not believe in God. Mais lorsqu'ils sont face au danger, but when they are faced with any danger, ils se retrouvent en train de dire Seigneur. They find themselves calling on God. Seigneur, sauve-moi. They say, God, help me. Seigneur. They say, God. Alors que tu ne crois pas en Dieu. Of which you don't believe in God. Mais lorsque tu passes au danger, tu te retrouves en train d'appeler le nom de Jésus-Christ. But when you are faced with a danger, you begin to call on the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Je vais t'expliquer ce qui se passe. We are going to explain you one thing. C'est parce que ton âme reconnaît que c'est pas la puissance de Jésus-Christ que tu vis dans ce monde. It is because your soul recognizes by the power of God that you are alive in this world. Pour toi qui ne crois pas en Dieu, you that do not believe in God. Mais lorsque tu es face au danger, tu te retrouves en train d'appeler le nom de Dieu, alors que tu ne crois pas en Dieu. When you stand before danger, you begin to call on God, of which you don't believe in God. C'est parce que ce qui est en toi reconnaît que Jésus Christ est tout puissant. It's because that which is in you recognize that the Lord is the Almighty. C'est parce que ton âme reconnaît que c'est par la grâce de Dieu que tu es dans ce monde. It is because your soul recognizes that it's by the grace of God you are in this world. C'est pour cela que tu vas souvent te retrouver en train d'appeler le nom de Dieu lorsque tu es face au danger, alors que tu ne crois pas en Dieu. That is why you call on the name of God before danger, of which you don't believe in God. C'est le temps véritable. Very, very,
Richard. Je te le tiens vérité en vérité. Very Richard. C'est maintenant que tu dois te repentir, mon frère. This is the time for you to repent. Toi qui ne crois pas en Dieu. For you that do not believe in God. Tu ne crois pas en Dieu. You don't believe in God. Tu ne crois pas en Dieu. You don't believe in God. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. C'est maintenant que tu dois croire en Dieu. This is the time to believe in God. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Toi qui es uniquement concentré sur le business. You that is only focused on business. Tu ne vis que pour le business. You live only for business. Pour toi, ce qui t'intéresse, c'est le marché. For you, what interests you is market. Ce qui t'intéresse, c'est ton commerce. What interests you is only your comments. Tu t'en fous de Dieu. You care less of God. Tu ne veux même pas connaître ce qui concerne Dieu. You don't want to know what concerns God. Quand tu vis comme tu veux. You live the way you want. Tu vis selon les désirs de ton cœur. You live to please your flesh. Lorsqu'on te parle de Dieu, tu dis aller avec ça là-bas. When they preach the gospel of God to you, you say go with it. Mon frère. My brothers. Lorsque tu quitteras ce monde. When you leave this world. Même 100 francs, tu ne vas pas emporter. You will not go even with 100 francs. Il dit même un seul centime. Même un seul centime, tu ne vas pas emporter. No, you will not go with anything. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ils disent aller travailler. Because many people, when they preach the gospel of the Lord Jesus Christ, they say go and walk. Lorsqu'on vient te parler de Jésus-Christ, tu dis aller travailler. When they preach the Lord Jesus Christ to you, you say go and walk. Lorsque tu vas mourir, mon frère. When you die. Même 100 francs, tu ne vas pas emporter. You will not carry 1 franc. Je suis sûr que tu es au courant de ça. You know you are aware of that. Je suis sûr que tu le sais. You know that very clearly. Alors lorsqu'on te parle de Jésus-Christ, aie l'humilité d'écouter au moins. When they preach the gospel of the Lord Jesus Christ, be humble enough to listen. Parce que c'est pas la grâce de Jésus Christ que tu te tiens debout présentement. Because by the grace of the Lord Jesus Christ, you are up. C'est pas la grâce de l'Éternel que tu es compté parmi les vivants. It is by the grace of the Almighty you are counted among the living. Alors si tu penses que tu t'en sors dans ta vie parce que tu es trop prudent, tu te trompes. If you think you don't need the Lord Jesus Christ, you are making a mistake. Si tu penses que c'est parce que tu sors tôt le matin, tu rentres tard le soir, que c'est pour cela que tes affaires fonctionnent, tu te trompes. If you think it's because you leave your house early in the morning and you go back late in the night, that is why you are prospering, you are making a mistake. C'est pas la grâce de l'Éternel que ton business tourne bien. It is by the grace of God your business is turning fine. C'est pas la grâce de Dieu que ton business tourne bien. It is by the grace of God your business is functioning. Alors ne dis pas que moi je travaille beaucoup, c'est pour cela que mon business tourne bien. Don't say it's because you work too much that your business is functioning. C'est pas la grâce de l'Éternel, mon frère. It's by the grace of God. C'est pas la grâce de l'Éternel. It's by the grace of God. À moins que tu utilises les mauvaises choses pour ton commerce. Except if you are using evil things for your business. Sauf si tu peux voir les marabouts pour faire ton commerce. Except if you go to meet Egypt doctors to make business. Sauf si tu travailles avec les écoles et les gris-gris. Except if you are working with charms. Si c'est le cas. If that is the case. Alors tu peux taper la main sur la poitrine. You will beat your hand on your chest. Si tu travailles avec les écoles. If you are working with charms. Tu fais ton business avec les gris-gris. You make your business with charms. Tu ramasses les choses chez les marabouts à toi et à travers pour que ton business fonctionne. You pick things from the native doctors for your business to work very well. Et tu penses que tu es fort. And you think you are strong. Tu penses que tu es grand. You think you are big. Mon frère. My brothers. Tu es le plus malheureux des malheureux. You are the most. Parce que pendant que tu es dans cette abomination, le diable se rit de toi. Because the devil is laughing at you. Et c'est pour cela que Jésus Christ nous envoie devant toi, mon frère. And that is why the Lord Jesus Christ said. Mais tu te reconnais dans cette affaire, Jésus Christ veut te sauver, mon frère. If you recognize yourself in it, the Lord Jesus Christ wants to save you. Pour toi qui travailles avec ces choses, c'est pour toi que Jésus Christ nous envoie dans ce marché. For you that is working with chance, the Lord Jesus Christ has sent us to you. C'est pour toi que Jésus Christ nous envoie dans ce marché. You are the reason the Lord Jesus Christ has sent us to this market. C'est pour toi que Jésus Christ nous envoie dans ce marché. You are the reason the Lord Jesus Christ has sent us to this market. Pour toi qui fais le commerce avec les écorces. You that is making business with charms. Avec les gris-gris. With charms. Mon frère. My brother. Pour toi qui fais les écorces avec des pères spirituels. You that is making business with spiritual things. C'est ton père spirituel qui te fait les lavages. You are in a spiritual paradise making you Après un temps, tu passes chez ton père spirituel, il te fait les lavages. After some time, you go to your spiritual father and make pour que ton commerce fonctionne. For your commerce to function. Mon frère. My brother. Si tu te reconnais dans cette affaire. Sache que c'est ton âme que tu es parti abandonner chez ton père spirituel chaque fois que tu peux faire les lavages.
hours. You know that you are throwing your, you are abandoning your soul to that native doctor. At every time you go there. Ton âme appartient déjà à Satan, mon frère. Your soul is already in the hands of the devil. Ton âme appartient déjà au diable. Your soul already belongs to the devil. Et toi qui fais le commerce avec les gris-gris. You know that is making commerce with charms. Le diable n'attend que la fin de tes jours dans ce monde. The devil is just waiting for your end of days in on earth. Pour te torturer en enfer au siècle des siècles. To torture you in hell forever and ever. Et maintenant que Jésus Christ va te sauver, mon frère. This is the time the Lord Jesus Christ wants to save. C'est maintenant que tu dois abandonner ces choses. This is the time for you to abandon those things. C'est maintenant que tu dois abandonner ces choses. This is the time for you to abandon those things. Celui qui pratique le maraboutage n'est pas différent d'un sorcier. He that is a native doctor is not different from a witch. Pour toi qui pratique le maraboutage, ma soeur. You that goes to the native doctor. Même si c'est une seule fois que tu as pointé tes pieds chez le marabout. Even if it is one time you go to the native doctor. Sache que ton âme appartient déjà à Satan. Et tu as besoin de délivrance. You need deliverance. Tu as besoin de délivrance. You need deliverance. Si tu meurs sans te repentir, tu vas malheureusement passer ton éternité en enfer. If you die without repentance, you will end up in hell. Parce que ton âme est déjà en prison. Because your soul is already in prison. Look, pour toi qui vis dans ces choses. You that is living in those things. C'est aujourd'hui que Jésus Christ va te délivrer. Today is the day the Lord Jesus Christ wants to deliver you. Jésus Christ nous envoie pour toi, mon frère. Jesus Christ has sent us for you. Pour toi qui vis dans le maraboutage. You that is living in going to native doctors. Pour toi qui aimes tellement ces choses. You that love those things. Tous les jours tu es chez le marabout. Every day you are in the native doctor. Pour ramasser des choses. To pick things there. C'est aujourd'hui que Jésus Christ va te délivrer. It is today the Lord wants to deliver you. Parce que tu es un prisonnier de Satan. Tu es un prisonnier de Satan, mon frère. Prisoner of Satan. Tu es un prisonnier de Satan, ma soeur. You are prisoner of Satan. Tu es un prisonnier de Satan. You are prisoner of Satan. Pour toi qui visites les marabouts, ma soeur. You are visiting native doctor. Tu es un prisonnier de Satan. You are prisoner of Satan. Ton âme est déjà enchaîné. Et tu vas souffrir à cause de cette mauvaise manière de faire les choses. You will suffer because of that evil way you are doing, living your life. Si tu meurs sans te repentir, ma soeur. If you die without repenting. Tu seras malheureusement maltraité en enfer. You will be maltreated in hellfire. C'est aujourd'hui que Jésus Christ va te sauver. It is today the Lord Jesus Christ wants to. Tu dois te repentir du maraboutage, ma soeur. You need to repent from going to the native doctor. Tu dois te repentir du maraboutage, mon frère. You need to repent from going to the native doctor. Tu dois te repentir du maraboutage, ma soeur. You need to repent from going to the native doctor. Tu dois te repentir du maraboutage, mon frère. You need to repent from that evil works. Jésus Christ t'appelle, mon frère. Jesus Christ is calling for you. Jésus Christ t'appelle, ma soeur. Jesus Christ is calling for you. Jésus Christ veut te sauver. Jesus Christ wants to save you. C'est aujourd'hui que tu dois abandonner le mal, mon frère. C'est aujourd'hui que tu dois abandonner le mal. Today is the day you need to abandon that evil. C'est aujourd'hui que tu dois abandonner le péché, mon frère. Today is the day you need to abandon that sin. C'est aujourd'hui que tu dois abandonner cette abomination. Today is the day to abandon that abomination. C'est aujourd'hui que tu dois abandonner l'abomination. Today is the day for you to abandon that abomination. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, 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 tell you. Une personne qui passe son temps à visiter les marabouts. Everyone has passed his time to visit the witch doctors. N'est pas différent d'un sorcier. He is not different from a witch. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, 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 tell you. Même si c'est une seule fois que tu as visité le marabout dans ta vie. Even if it's only one time you are going to the native doctor. Tu as vendu ton âme au diable, mon frère. You have sold your soul to the devil. Tu as vendu ton âme au diable, ma soeur. You have sold your soul to the devil. Et tu as besoin de délivrance. And you need deliverance. Et Jésus Christ va te délivrer. And Jesus Christ wants to deliver you. Accepte Jésus Christ dans ta vie aujourd'hui. Accept the Lord Jesus Christ in your life. C'est pour toi que Jésus Christ nous envoie. The Lord Jesus Christ has sent us. C'est pour toi que Jésus Christ nous envoie. You are the reason the Lord Jesus Christ has sent us. Parce que tu es prisonnier de Satan sans le connaître. Because you are a prisoner of Satan without knowing. Tu es prisonnier de Satan sans le connaître. You are a prisoner of Satan without knowing. Je te le dis en vérité, en vérité. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. C'est maintenant que tu dois te repentir. It is today you need to repent. Ton temps de repentance est arrivé. Your time of repentance has come. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Jésus Christ t'appelle, mon frère. Jesus Christ is calling for you. Jésus Christ t'appelle, ma soeur. Jesus Christ is calling for you. C'est le moment de changer de vie, mon frère. It is time to change your way of life. Tu as longtemps vécu dans l'abomination. You are so long living abomination. Tu as longtemps vécu dans le vagabondage sexuel, ma soeur. You are so long living immorality. Tu as longtemps vécu dans la prostitution, ma soeur. You are so long living in prostitution. Tu as longtemps livré ton corps aux hommes, ma soeur. You are so long giving your body to men. C'est le moment de donner ta vie à Jésus, ma soeur. It is time to give your life to Jesus. C'est le moment d'accepter Jésus Christ dans ta vie, ma soeur. It is time to accept the Lord Jesus. C'est le moment d'accepter Jésus Christ dans ta vie, ma soeur. It is time to accept the Lord Jesus. C'est le moment d'accepter Jésus Christ dans ta vie, mon frère. It is time to accept the Lord Jesus. C'est le moment d'abandonner l'iniquité et d'accepter Jésus Christ. It is time to abandon iniquity and accept Jesus. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois te repentir, ma soeur. You need to repent. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois me poser la question de savoir, me repens que j'ai fait quoi? You ask yourself, what do you need to repent? Je me repens que j'ai fait quoi? What have you done for you to repent? Est-ce que j'ai tué quelqu'un?
Have I killed somebody? Mon frère, my brother. Tu as besoin de te repentir, mon frère. You need to repent. Tu as besoin de repentance. You need repentance. Afin de recevoir le pardon de Dieu. So that you receive the forgiveness of God. Pour tes abominations. For your abominations. Pour tes abominations. For all of your abominations. Tu as besoin de repentance, mon frère. You need repentance. Tu as besoin de repentance. You need repentance. Et tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. And you need to repent before it be too late. Ne dis pas que je ne peux pas me repentir parce que je n'ai rien fait. Don't say I cannot repent because I've done nothing. Ne dis pas que je n'ai rien fait pour me repentir. Don't say I've done nothing for me to repent. Tu as fait plusieurs choses, ma sœur. You have done many things. Tu as fait plus que ce que tu ne pensais même. You have done more than what you were thinking. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois te repentir, ma sœur. You need to repent, my sister. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Ton temps de repentance est arrivé. Your time of repentance has come. Tu dois te repentir, ma sœur. You need to repent, my sister. Car ton temps de repentance est arrivé. Because your time for repentance has come. Ne laisse pas cette opportunité passer, mon frère. Don't allow this opportunity to pass. C'est le moment pour toi de prendre l'engagement d'abandonner l'iniquité. It is time to take an engagement to abandon iniquity. C'est l'occasion pour toi de prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. It is time to take an engagement to follow the ways of God. Parce que si tu continues à mener une vie de péché, ça va te coûter cher, mon frère. Because if you continue living a sinful life, it will be very expensive. Si tu continues à mener une vie d'abomination, ça va te coûter cher, ma sœur. If you continue living an abominable life, it will be very expensive. C'est le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. Le moment de te repentir. It is time to repent. C'est le moment de te repentir. It is time to repent. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Jésus Christ veut te sauver. Jesus Christ wants to save you. Jésus Christ veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Jesus Christ wants to start something Jésus Christ veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Jesus Christ wants to start something new in your life. Jésus Christ veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Jesus Christ wants to start something new in your life. Jésus Christ veut t'aider, mon frère. Jesus Christ wants to help you. Jésus Christ veut t'aider, ma sœur. Jesus Christ wants to help you. Peut-être qu'il veut, il ne peut pas m'aider. Maybe you say you cannot help you. Peut-être actuellement tu me dis Jésus Christ ne peut pas m'aider. Maybe you say Jesus Christ cannot help you. Je n'ai pas besoin d'aide. You don't need help. Mon frère. My brother. Tu as besoin d'aide là où tu es là. You need help where you are. Parce que ton âme est enchaînée. Because your soul is chained up. Toute personne qui vit dans le péché a besoin d'aide. Everyone living in sin needs help. Et ce n'est que Jésus-Christ qui peut aider une telle personne. I know that the Lord Jesus Christ can help someone. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Et Jésus-Christ vient te trouver là où tu vends. And Jesus Christ comes to meet you where you are selling. Jésus-Christ vient te trouver là où tu fais ton business. Jesus Christ comes and meet you where you are making your business. Jésus Christ vient te trouver là où tu fais ton commerce. Jesus Christ will come to meet you where you are making Parce your business. Parce que le dernier jour tu ne diras pas qu'on ne m'avait pas dit. Because on the last day you will not say that you don't tell me. Lorsque tu quitteras ce monde. When you leave this world. Tu ne diras pas qu'on ne m'avait pas dit. You will not say that you did not tell me. Si tu meurs sans te repentir, tu vas le regretter, mon frère. If you die without repentance. C'est maintenant que tu dois te repentir et abandonner le péché. You will regret. This is time for you to repent and abandon evil. C'est maintenant que tu dois te repentir et prendre l'engagement de suivre Jésus Christ. This is time for you to repent and follow the Lord Jesus Christ. C'est maintenant que tu dois te repentir et abandonner le mal. This is time to repent and abandon evil. Parce qu'après la mort vient le jugement. Because after death is judgment. Lorsque ton temps va finir dans ce monde, tu vas partir. When your time expires here on earth, you will go. Tu seras jugé par Dieu. And you will be judged by God. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, I will tell you. Tu ne diras pas qu'on ne m'avait pas dit. You will not say that they not tell you. Tu ne diras pas que je n'avais jamais entendu parler de Jésus Christ. You will not say that I've never heard the gospel of the Lord Jesus. Tu ne diras pas que je n'avais jamais entendu parler de Jésus Christ. You will not say I have never heard the gospel of the Lord Voici Jesus. Voici le moment Christ. Pour toi de te repentir, mon frère. This is the time for you to repent. Voici le moment pour toi de te repentir, ma sœur. This is the time for you to repent. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. C'est ta saison aujourd'hui, mon frère. It is your season today. Toute personne qui vit dans ce monde. Everyone living in this world. Dieu prévoit une saison pour qu'elle se répande. God has destined a season for that person to repent. Tout être humain qui vit dans ce monde. Every human being living in this world. Dieu prévoit un temps pour qu'elle se répande, pour qu'il se répande. God has made a time for you to repent. Toute personne qui vit dans ce monde. Everyone living in this world. Dieu dispose un temps bien précis pour que cette personne se répande. God has given a precise time for you to repent. Et c'est ta saison aujourd'hui, mon frère. Today is your season. C'est ta saison aujourd'hui, ma sœur. Today is your season. C'est ton temps de repentance. Today is your time for repentance. C'est ton temps de repentance, ma sœur. Today is your time for repentance. C'est ton temps de repentance, mon frère. Today is your time for repentance. Ne dis pas que je n'ai pas besoin de me repentir. Don't say you don't need to repent. Ne dis pas que je me repens, que je fais quoi. Don't say you want me to repent from. Tu dois te repentir parce que tu as péché, mon frère. You need to repent because you are sinner. Et tu as besoin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. And you need to receive the forgiveness of God for your sins. Tu as besoin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. You need to receive the forgiveness of God for your sins. Tu as besoin de te repentir, mon frère. You need to repent. Tu as besoin de te repentir.
repentir, ma soeur. You need to repent. Afin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. To obtain the mercy of and forgiveness of God for your sins. La saison de repentance est arrivée. Your season for repentance has come. Le temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Ne perds pas cette occasion, mon frère. Don't lose that opportunity. Ne perds pas cette occasion, ma soeur. Don't lose that opportunity. Le temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Tu dois te repentir afin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. You need to repent so that you obtain forgiveness for your sins. Parce que tu es un pécheur, mon frère. Because you are a sinner. Et toute personne qui vit dans le péché est éloignée de Dieu. And everyone living in sin is far away from God. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois te repentir, ma soeur. You need to repent. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Tu dois te repentir. You need to repent. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Tu dois te repentir. You need to repent. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. C'est maintenant que tu dois te repentir. It is now you need to repent. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Dieu ne t'appelle jamais quelqu'un pour rien. God is not calling anyone for Dieu anything. Dieu ne t'appelle personne pour rien. God will never call a person for nothing. Par la voix que tu entends maintenant. By the voice you are hearing now. Au travers des personnes qui sont en train de te parler. By the people talking to you today. Au travers des personnes que tu vois devant toi. By the people you see before you. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your way. Dieu t'appelle, mon frère. God is calling for you. Parce que personne ne connaît son lendemain. Because nobody knows his tomorrow. Personne ne connaît son lendemain. Nobody knows his tomorrow. Tu n'es pas sûr d'être vivant demain, mon frère. You are not sure to be alive tomorrow. Personne ne connaît le nombre de jours qui lui reste à vivre dans ce monde. Nobody knows the number of days left for him. Personne ne connaît le nombre de temps qui lui reste à vivre dans ce monde. Nobody knows the number of time left for him. Personne ne connaît le nombre d'années qui lui reste à vivre dans ce monde. Nobody knows the number of years left for him. Tu ne connais pas le nombre de temps qui te reste à vivre, mon frère. You don't know the number of times left for you. Tu ne connais pas le nombre de temps qui te reste à vivre, ma soeur. You don't know the number of hours left for you. Je suis sûr que tu as déjà vécu des scènes pareilles. You have heard of people that were here yesterday and today they are no longer. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. We are sure you have heard that. Hier tu étais avec une personne et quelques heures après tu dis que cette personne est morte. And after you hear that that person is dead. C'est possible, mon frère. It is possible. Tu peux mourir à n'importe quel moment. You can die at any time. Tu peux mourir à n'importe quel moment. You can die at any time. Tu peux partir à n'importe quel moment. You can die at any time. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Nobody knows the day nor the hour. But if anyone leaves this world without repentance, afin de recevoir le pardon de Dieu pour ses péchés, to receive the forgiveness of God for his sins, cette personne va malheureusement le regretter pour toujours. That person will regret it forever. Quel que soit ton âge, whatsoever be your age, quel que soit ton âge, whatsoever be your age, il n'y a pas d'âge pour mourir. There is no age to die. Il n'y a pas d'âge pour mourir. There is no age to die. Tu vas dire que moi je suis encore jeune, je ne peux pas mourir maintenant. Maybe you will say you are still young, you don't have an age to die. Tu vas dire que moi je suis encore jeune, je ne peux pas mourir maintenant. Maybe you will say you are young, you will not die now. Si il y avait un âge pour mourir, les nouveau-nés n'allaient pas mourir. If there was an age to die, newborn baby would not die. Si il y avait un âge pour mourir, les nouveau-nés n'allaient pas mourir. If there was an age to die, newborn baby would not die. Alors s'il n'y a pas d'âge pour mourir, tu dois te repentir avant de mourir. If there is no age to die, you need to repent before you die. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. It has been reserved for men to die after that is the judgment. Tu dois te repentir avant de partir. You need to repent before you go. Tu dois te repentir avant de quitter ce monde. You need to repent before you leave this tu world. Tu dois te repentir avant de quitter ce monde. You need to repent before you leave this world. Aujourd'hui tu es là, mais tu n'es pas sûr d'être là demain. Today you are here, but you are not sure to be here tomorrow. Mais tu dois te rassurer que tu as fait la paix avec Dieu avant de partir. And you need to be sure that you have made peace with God before you go. Repent-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it be too late. Repent-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it be too late. Repent-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it be too late. Je ne te demande pas de venir dans mon église, mon frère. We are not telling you come to our church. Je te demande d'abandonner le péché, mon frère. We tell you abandon sin. Car c'est le péché qui t'éloigne de Dieu. Because it is sin that separates you from God. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. C'est maintenant que tu dois te repentir. It is now you need to repent. C'est maintenant que tu dois prendre l'engagement de te repentir. It is now you need to take an engagement with God to repent. C'est maintenant que tu dois prendre l'engagement d'abandonner l'iniquité. This is the time to take an engagement to abandon iniquity. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before. Tu vas te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Nobody knows the day nor the hour. Personne ne connaît ce qui va lui arriver dans les prochaines heures. Nobody knows what will happen to him the next hour. Tu ne connais pas ce qui va t'arriver dans quelques heures, mon frère. You don't know what will happen to you the next hour. Présentement, tu es dehors, tu n'es pas sûr d'arriver à la maison. Presently, you are out. You are not sure to reach your house. Si tu me dis que tu es sûr, alors tu es un insensé. If you say you are sure, it means you are not having sex. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Nobody knows the day.
dans les âmes. C'est le moment de se repentir. This is the time to repent. C'est le moment de se repentir. This is time to repent. C'est le moment de se repentir. This is time to repent. Et de croire en Jésus-Christ. And to believe in the Lord Jesus. C'est le moment de se repentir. This is time to repent. Et de croire en Jésus-Christ. And believe in the Lord Jesus. Tu dois croire en Jésus, mon frère. You need to believe in the Lord tu Jesus. Tu dois croire en Jésus, ma sœur. You need to believe in the Lord tu Jesus. Tu dois croire en Jésus, mon frère. You need to believe in the Lord Jesus. C'est le moment pour toi de te repentir. It is time for you to repent. Tu as longtemps vécu dans l'abomination. You are so long lived in abomination. Tu as longtemps vécu selon les désirs de ton cœur. You are so long lived according to the desires of your flesh. Tu as longtemps vécu dans le péché. You are so long lived in sin. C'est le moment de te repentir, mon frère. It is time to repent. C'est le moment pour toi de te repentir. It is time for you to repent. Aujourd'hui, tu dois te repentir. Repent. Aujourd'hui, tu dois te repentir. Aujourd'hui, tu dois te repentir. Today you need to repent. Tu dois te repentir aujourd'hui. You need to repent today. Avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Jesus Christ is calling for you today. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Jesus Christ is calling for you today. Jésus-Christ t'appelle à changer de vie aujourd'hui. Jesus Christ is calling for you today. Jésus-Christ t'appelle à changer de vie aujourd'hui. Jesus Christ is calling you to abandon your ways. Jésus-Christ t'appelle à changer de vie aujourd'hui. Jesus Christ wants you to change your life. Jésus-Christ t'appelle à changer de vie aujourd'hui. Jesus Christ calls you to change your life. Ton temps de repentance est arrivé. Your time of repentance has come. Tu dois te repentir et abandonner le péché. You need to repent and abandon sin. Tu dois te repentir et abandonner le péché. You need to repent and abandon sin. Tu dois te repentir et prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. You need to repent and take an engagement to follow the ways of God. C'est aujourd'hui que tu dois prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. Today is the day to take an engagement to follow the ways of God. Tu as longtemps vécu comme tu voulais, mon frère. You have so long lived the way you wanted. Tu as longtemps vécu comme tu veux, ma soeur. You have so long lived the way you wanted. C'est le moment de te repentir. This is time to repent. C'est le moment de te repentir. This is time to repent. C'est le moment de te repentir. This is time to repent. C'est le moment de te repentir. This is time to repent. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. C'est maintenant que tu dois prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. This is time to take an engagement to follow the ways of God. C'est maintenant que tu dois prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. It is time to take an engagement to follow God. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir, mon frère. Today is the time for you to repent. Parce que Jésus-Christ veut sauver ton âme. Because Jesus Christ wants to save your soul. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Jesus Christ wants to save your soul. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Jesus Christ wants to save your soul. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Jesus Christ wants to save your soul. Beaucoup de personnes pensent que la vie se limite dans ce monde. Many people think life is limited here on earth. Plusieurs personnes pensent que la vie se limite uniquement dans ce monde. Many people think life is limited here on this world. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Si tu penses que tout se limite dans ce monde, if you think everything is limited on this world, tu te trompes largement. You are deceiving yourself. Si tu penses que la vie s'arrête dans ce monde, if you think life ends here on earth, tu te trompes largement. You are deceiving yourself. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Lorsque tu quitteras ce monde, tu vas continuer à vivre. When you leave this world, you will continue living. C'est ton âme qui vivra éternellement. It is your soul that will live eternally. C'est ton âme qui vivra éternellement. It is your soul that will live eternally. C'est le moment de chercher le salut de ton âme. This is time to seek for the salvation of your soul. Le moment de chercher le salut de ton âme. This is time to seek for the salvation of your soul. C'est le moment de chercher le salut de ton âme. This is time to seek the salvation of your soul. C'est le moment de chercher le salut de ton âme. This is time to seek the salvation of your soul. Parce que ton existence dans ce monde est limitée. Because your existence in this world is limited. Ton existence dans ce monde est limitée. Your existence in this world is limited. Ton existence dans ce monde est limitée. Your existence in this world is limited. Mais ton âme vivra éternellement. But your soul will live eternally. Cependant, ta manière de vivre dans ce monde conditionne le sort de ton âme. Your way of life in this world will condition your judgment. Ta manière de vivre dans ce monde va déterminer ton sort final. The way you live life on this earth will determine your judgment. Alors tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard, mon frère. So you need to repent before it be too late. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Le plan du diable, c'est de te maintenir dans le péché jusqu'à la fin de tes jours dans ce monde. The plan of the devil is to keep you in sin to the last day of your life. Ce monde est dominé par le diable, mon frère. This world is dominated by the devil. Ce monde est dominé par le mal. This world is dominated by evil. Et le plan du diable, c'est de maintenir tous les humains dans le mal afin que tout le monde se retrouve en enfer. The plan of the devil is to keep everyone in sin to the end of this life. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Ne te laisse pas vaincre par le mal qui règne dans ce monde. Do not allow yourself to be distracted by the Repent and believe in the Lord Jesus Christ. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. Before it be too late. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. Before it be too late. Le plan du diable
diable te retient maintenu dans une vie de péché jusqu'à la fin de tes jours dans ce monde. The plan of the devil is to keep you in sin to the last day of your life. Le plan du diable c'est de maintenir toute l'humanité dans le péché afin que tout le monde se retrouve en enfer. The plan of the devil is to keep the whole humanity in sin till you leave this world. Ne te laisse pas vaincre par le mal qui règne dans ce monde, mon frère. Toi en Jésus Christ et tu seras sauvé. Toi en Jésus Christ et tu seras sauvé. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Toi en Jésus Christ et tu seras sauvé. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Toi en Jésus Christ et tu seras sauvé. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ne te laisse pas vaincre par l'abomination qui règne dans ce monde. Do not allow yourself to be abandoned by to be distracted by the abomination of this world. Ne te laisse pas vaincre par le mal qui règne dans ce monde. Do not be overcome by the evil in this world. Toi en Jésus Christ et tu seras sauvé. Le plan du diable c'est de te maintenir dans le péché, mon frère. The plan of the devil is to keep you in sin. Pour le moment, le péché semble bon. For the moment, sin may look good. Le péché semble sucré. Sin may be very sweet. La désobéissance à la parole de Dieu. Disobedience to the word of God. Lorsqu'on parle de péché, on parle de la désobéissance à la parole de Dieu. When they talk of sin, they talk of disobedience to the word of God. Pour le moment, ça semble bien. For the moment, you think it is good. Mais un jour viendra, mon frère. But the day is coming. Où ça sera, amen. Yes. Where it will be very bitter. Plusieurs personnes trouvent que il est bon de vivre selon les désirs de son cœur. Many people think it is good to live according to the desire of their heart. Mais c'est un danger, mon frère. But it is a danger. C'est un danger, ma soeur. It is a danger, my sister. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it be too late. Et tu seras sauvé, mon frère. And you will be saved. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, shalom, people of God. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. We greet you in the name of the Lord Jesus. Je suis venu t'annoncer encore une bonne nouvelle. We have come to announce you peut-être one good news. Peut-être tout à l'heure tes oreilles n'étaient pas bien tendues. Maybe now you will not mais je ne suis pas venu parler à ton entendement, à tes oreilles. Je suis venu parler à ton cœur. We have not come to talk to your ears. Je suis venu parler à la raison de ta vie, ton cœur. We have come to talk to your heart. Parce que la parole de Dieu dit, ils sont de l'intérêt et l'erreur. Il a dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est elle qui vient les sources de vivre. Because from your heart will come your ways of life. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus t'aime de tout son être. My brothers, my sisters, the Lord Jesus loves you. Manifesté sur la croix. Par son sang versé que tu vis encore aujourd'hui. By et il t'appelle à la repentance. Pas une repentance légère, facile et aussi vaine, mais une repentance vraie et sincère. Car auparavant, nos pères déchiraient les vêtements. Ils se couvraient de la cendre. Et ils faisaient tout le tour du marché ou de la ville pour expier les péchés, pour demander pardon à Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps du spectacle. Nous ne sommes pas au temps où tu venais voir. Nous ne sommes pas au temps où c'est moi. Nous sommes au temps où il faut déchirer ton cœur. Déchirer ton cœur. Parfois mal, te sentir comment est-ce que tu offensais Dieu. Tu offensais ton père. Tu offensais ton frère. Tu offenses ton prochain. Parce que mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu n'est pas une petite chose. The love of God is not a small thing. Certainement, tu as été déchiré par les déceptions. Certainly, you have been disappointed. Les déceptions d'amour. Deception of love. Tu attendais qu'on t'aime, mais on t'a pas aimé selon tes attentes. You were waiting for people to love you, but they did not love you the way you thought. Tu attendais ce que on te fasse du bien. You were waiting for people to do you good. Mais le bien n'a pas été ton partage. But good did not come your way. Tu attendais ce que you were waiting. Les bonnes choses soient ton partage. That good thing should come your way. Que les bonnes choses viennent à toi. That good thing should come your way. Que tout tes désirs, tout ce que tu désires. That all of your desires viennent à toi. Come your way. Mais non. But non. Mais aujourd'hui. But today. Je vais te dire la vérité que tu gardes dans ton cœur. We will tell you a truth that you need to keep in your heart. La vérité que tu as peur de déclarer pour être libre aujourd'hui. La vérité que tu as peur de dire, de déclarer par ta bouche, de la confesser. The truth that you are afraid to declare by your mouth. Et qui te maintient esclave ou malade aujourd'hui. That is keeping you a sinner and a slave today. C'est de pouvoir dire. Is to say. J'ai péché. I have sinned. J'ai péché. I have sinned. J'ai péché. I have sinned. Pourquoi est-ce que tu n'as pas ce que tu désires? Why are you not having what you desire? Pourquoi est-ce qu'on ne t'aime pas comme tu désires?
désires? Why do they not love you the way? Pourquoi est-ce que les choses ne viennent pas à toi comme tu le veux? Why are things not coming to you the way you want? C'est parce que tu as péché. It is because you have sinned. C'est parce que quelque part tu es tombé. It is because somewhere you have fallen. C'est parce que quelque part tu as glissé. It is because somewhere you have slipped. Et tu es resté là. And you have stayed there. Tu es resté là. You have stayed there. Tu ne t'es pas relevé. You have not gotten up. Mais aujourd'hui je suis venu te dire. But today we have come to tell you. Je suis venu te dire. We have come to tell you. Que celui qui s'appelle Jésus. That he that is called Jesus. L'Éternel des armées. The Almighty God. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Il t'appelle encore. He is calling il te tend la main. He is stretching il veut que tu te lèves d'où tu es resté. He wants you to wake dans up le péché. You have placed a pride in your heart. Tu as installé l'orgueil en toi. You have placed pride. Tu as installé le mépris. You have placed. Tu as installé le dégoût. You have placed underlooking. Mais je suis venu te dire. That we have come to tell you. Dieu dit dans sa parole. God says in His word. Ce n'est ni par la force. It is not by might. Ce n'est ni par la puissance. It is not by power. Mais c'est par son esprit. It is by l'esprit de Jésus Christ de Nazareth. The spirit of the Lord Jesus Christ. Quand tu confesses de ta bouche aujourd'hui. When you confess today. Quand tu acceptes de ta bouche aujourd'hui. And you accept. Tu es délivré des chaînes. And the Lord Jesus Christ delivers you. And the Lord delivers you. Les chaînes de la prison, de la mort, du manque de pardon. From chains. Les chaînes. De prison, du manque d'amour que tu as qui te maintient aujourd'hui. Jesus, I give you in your sins. Jésus Christ te dit aujourd'hui. Jesus Christ tells you today. Dis seulement, Seigneur. So let's say, Lord. Je suis faible. I am weak. Je suis incapable. I am unable. Je suis impuissante. I am not able. Je n'ai plus de force. I'm not having the power. Parce que tu as dit. Because you said. Ce n'est ni par la force. It is not by power. Ce n'est ni par la puissance. It is not by might. Mais c'est pas mon esprit. It is by my spirit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton esprit. Lord Jesus, j'ai besoin d'être relevé de ma situation. I need to be j'ai revived. Besoin de sortir de la condition dans laquelle je me trouve. I want to come out of that evil condition. Ma frère, ma soeur, ne te cache pas. My brother, my sister, don't hide. Si pendant que tu te caches, tu meurs. If while you are hiding, you will die. Où iras-tu, mon frère? Where will you go? Le champ que tu es en train de préparer. Où est-ce que tu vas le cultiver demain? Est-ce que tu vas retrouver ce champ? Will you find that farm you have been? Et quel sera l'état de ce champ? And what will be the state of that farm? Ce champ où tu voudrais manger du manioc. Ce champ où tu voudrais avoir des tubercules mais les plus bonnes, les plus réussies. That farm you want to find every precious thing. Ce champ où tu voudrais manger des bonnes bananes de plantes, mûres, naturelles, sans produits chimiques, sans toxiques. That farm you want to eat every nice thing. Every good thing you have been sold. Ma frère, ma soeur, Jésus t'aime tellement. My brother, my sister, the Lord Jesus Christ loves you. S'il y a quelqu'un qui peut te permettre d'aimer, c'est Jésus. The only person that can love you. S'il y a quelqu'un qui peut te donner la capacité d'aimer, c'est Jésus. If there is one man that can give you c'est parce qu'il a vu people. En toi la faiblesse et l'incapacité. Qu'il est venu mourir sur la croix. Qu'il est venu sur cette terre et pour mourir pour toi et pour moi, pour nous tous. Afin que nous puissions entrer dans cette capacité de pouvoir aimer comme il a aimé. Et il s'est donné. That is why he has come to die for us so that he can give us the ability to love the way he wants us to love him. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. La honte ne paye pas. Shame will not pay you. Si tu as honte, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. If you are ashamed, you will die and you will go to hell. Et celui-là qui t'a maintenu dans la honte, c'est and lui qui va rire de toi en enfer. And that person that kept you in shame will be the c'est one lui to qui va te torturer en enfer. He will be the one to torture you in hell. Tu vas dire si je meurs, je suis mort, c'est fini. You will say if you die, you have died. It is mais la parole de Dieu dit. But the word of God says. C'est le corps qui meurt. It is the flesh that dies. À cause du péché. Because of sin. Parce qu'il est fatigué. Because he's tired. Parce qu'il est épuisé. Because he's tired. Le péché réside dans la chair. Sin. La chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Sin is in the flesh c'est and pourquoi? Flesh and blood will not inherit c'est the kingdom pourquoi? Of God. That is why. Il va périr dans la terre. You will perish il va in retourner earth. D'où il est sorti. You will go back to dans the dust. La terre. In the dans la terre. Mais
c'est l'esprit qui va retourner. But the spirit will go back. L'esprit qui aura quitté ton corps après que tu auras fermé les yeux. Your spirit that leaves your body when you close your ton eyes. Ton souffle lorsqu'il va quitter, mon frère, ma soeur. Your spirit. J'aimerais que tu reviennes à de bons sentiments. We want you to come back. J'aimerais que tu te rappelles au moins de ce premier. Come back to Jesus with all de cette première partie de la Bible. De la Genèse qui dit Jésus, le Seigneur a mis son souffle en nous. That the Lord Jesus il a soufflé afin que tu deviennes une âme vivante. Par son esprit. By his spirit. Et il a dit and he said, que l'esprit vit éternellement. That the spirit will live eternally. Un esprit est vivre. J'aimerais te demander, pose-toi la question là où tu te trouves. J'aimerais que tu fasses un examen de conscience. J'aimerais que tu fasses un examen de conscience. We love you to examine your conscience. N'attends pas d'avoir mal à la tête. Don't wait until you are. N'attends pas d'avoir mal au ventre pour aller faire des examens. Don't wait when you are having a pain before you go and make examination. Je te parle de l'examen de ta vie. We are talking of examination of your life. C'est la raison de ta vie, ton esprit. That which is the reason of your life. C'est quelle la raison de ce que tu respires encore. That which made you to breathe again your spirit. L'esprit qui est en toi, qui fait battre ton cœur. The spirit that is in you. J'aimerais that makes que tu écoutes en cet instant les battements de ton cœur. We love you to hear the beat of your heart. J'aimerais que tu écoutes comment est-ce qu'il bat. We love you to hear the way. J'aimerais que tu fais un effort d'écouter. We love you to make an effort to listen. Et tu me dis, mon frère, ma soeur. And you tu tell us. Examines, mon frère, ma soeur. You tell us. Où ira ton âme après la mort? Where your soul go after your death? Après que tu auras endurci ton cœur. Après que tu auras rejeté, régné la parole, régné Jésus-Christ. After you have rejected God and régné même le Dieu créateur. And rejected your creator. J'aimerais que tu t'examines. I love you to examine yourself. Un examen spirituel. A spiritual examination. J'aimerais que tu fermes tes yeux physiques charnels. I would love you to close your physical eyes. J'aimerais que tu dises à ton corps de ne plus fonctionner. I would love you to tell your flesh not to function again. L'Esprit Saint de Dieu t'examiner. And you allow the Holy Spirit to examine you. Afin que tu sortes finalement. So that you will come out finally. Du déraisonnement. From all every unbelief. Parce qu'on appelle ceci déraisonner. Because that is foolishness. Devant ton créateur. Before your creator. Je ne voudrais pas te forcer, mon frère, ma soeur. We will not love to force you. Mais je veux que tu sortes de l'ignorance. We want you to come out of ignorance. Je voudrais que tu sortes du raisonnement. We want you to come out of ignorance. Je voudrais que tu sortes de l'autosuffisance dans laquelle tu te trouves. We want you to come out from that ignorance. Je voudrais que tu sortes de ta zone de confort. We want you to come out of that your comfort zone. J'aimerais que tu te vois déjà au-delà. We want you to see you above sin. Sans tes biens. Without your wealth. Sans ta voiture. Without sans your ta car. Maison. Without your house. Sans ton climatiseur. Without your climatiseur. Sans ton bon frigo rempli de tous les vivres. Sans ton congélateur. Without your fridge. J'aimerais que tu les oublies un peu. I would love you to forget them. Et tu te vois dans un cercueil. And you see yourself in a coven. Sous la terre. In here on earth. Et tu essaies d'imaginer ton âme. And you start to imagine ton esprit en train de répondre au questionnement de l'Éternel. Answering the questions before God. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Est-ce que tu honores Dieu? Are you honoring God? Est-ce que dans ta nature physique charnelle tu honores Dieu? In your physical life, are you pendant que ton Saint-Esprit est en train de ton esprit est en train de te questionner. Pendant que ton esprit est en train de faire des examens. Dans la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que le Seigneur peut te reconnaître? Can the Lord recognize you? Est-ce que Dieu peut s'identifier en toi? Can God identify himself in you? Parce qu'au commencement il est écrit. Because from the beginning. Dieu a dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. That we should create man in our image. Est-ce que maman, papa, homme, femme, jeune, you tu peux? Est-ce que Dieu peut s'identifier en toi? Dans la pensée. Au travers de tes yeux, au travers de tes oreilles, de ce que tu écoutes, de ce que tu entends, au travers des pensées de ton cœur, est-ce que Dieu peut s'identifier en toi? Can the Lord identify himself in you? Est-ce que le Seigneur peut dire bon et fidèle serviteur? Can the Lord tell you good and faithful servant? Est-ce que le Seigneur peut dire bon, fidèle serviteur? Can the Lord tell you good and faithful servant? Ou servante? Or servant? Il ne fait exception de personne. He does not exempt anyone. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Cet
Certainement tu peux à l'église. Certainly you are going to church. Tu vas me raisonner. You will give us a reason. Tu vas me dire que je crois que je connais trop Dieu. La parole dit que si vous croyez connaître Dieu, vous ne connaissez pas comme il faut connaître. The Lord, the Bible says, vous ne connaissez pas encore comme il faut connaître. You know nothing the way you ought to know. Si tu connais Dieu aujourd'hui, tu ne le connais pas encore comme il faut connaître. If you know God today, you don't know you are the way you need to know. Abandonne la fausseté. Abandon falsehood. Abandon le mensonge. Abandon lies telling. Abandon la calomnie. Abandon evil. Abandon le péché sur toutes ses formes. Tu les connais. J'ai pas besoin de les citer. Abandon every form of sin. Là où tu te trouves, quoi qu'en train de passer, quoi qu'en si, quoi qu'en taxi. You that you are passing by. Tu connais le péché dans lequel tu te trouves, mon frère, ma soeur. You know the sin you are found in. Je veux que tu t'examines. Why don't you examine yourself? Quoi que tu sois religieux, parce que tu as choisi d'être religieux. Not because you are religious. Parce que tu as choisi les dogmes de tes parents. Because you have chosen the doctrine of your parents. Tu as choisi la voie de tes parents qui sont déjà morts. You have chosen the ways of your parents that are already. Mais tu as oublié celui qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. You have abandoned it that says I'm the way, the truth, and the life. Tu as oublié celui qui est le père des esprits et qui ne meurt pas et qui ne mourra jamais. You have forgotten the father of spirits that will never die. Tu as oublié que maintenant tu es en train de mener une vie que tu vas reprendre un jour. You have forgotten that you are living a life that we will give an account one day. Comme un enfant qui a déjà passé son BPC, son bac ou son prévatoire. Like a child that passed the exam. Et qui attend les résultats. And is waiting for result. Demain tu auras le résultat de la vie que tu auras mené sur la terre. Est-ce que ce sera un résultat positif? Will it be a positive result? Tu vas me dire certainement oui. You will tell us certainly yes. Parce que tu vas me dire, donner cette raison. Because you will give que Dieu regarde au cœur. That God looks in the eye. Mm-hmm. Mm. N'est-ce pas c'est ce même Dieu qui a dit? Is it not the same God that said? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? That don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? L'habitation du Dieu vivant qui est en vous. The Spirit of God that lives. Je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu as demandé un consentement à Dieu avant d'être sur la terre? Do you ask the mind of God before coming to earth? Toi qui es parent aujourd'hui. You that is a parent today. Toi qui as donné naissance à un beau garçon, une belle fille. You that have given birth to a handsome child or a handsome beautiful. Quand cet enfant se formait dans ton sein. When that. Est-ce que tu savais comment est-ce qu'il était? Do you know the way that child was? Est-ce que tu savais comment est-ce que cette chose qui grandissait en toi? Do you know? Sans dire, tu t'es posé mille et une questions. You ask yourself. Qu'est-ce qui est en train de bouger dans mes entrailles comme ça? That one is shaking in my body. Qu'est-ce qui me donne des coups comme ça? What is giving me blows like this? Un merveilleux métier. Une merveilleuse créature, un don gratuit du ciel, de l'éternel des armées. Comme tu as été une bénédiction pour tes parents. Aujourd'hui, le Seigneur t'a béni. Et pour que tu sois aussi appelé papa, maman. Tu as gardé cet enfant précieusement. Tu l'as lavé avec le savon le plus doux. Maintenant, cet enfant est grand. Maintenant, aujourd'hui, tu es grand. Tu prends immédiat clair. Tu prends des produits toxiques pour détruire cette merveilleuse peau que ton parent a gardée soigneusement. Pourquoi est-ce que tu ne tresses pas ton enfant quand il est bébé? Pourquoi est-ce que tu ne poses pas ce déguisement, ce masque de démon qu'on appelle encore, vous appelez make-up sur le visage de ton enfant? Il est trop précieux et fragile pour toi, n'est-ce pas? Tu es trop précieuse et fragile aux yeux de tes parents, n'est-ce pas? You are very precious and very weak in the sight of your parents. Mais j'aimerais te dire que tu es plus précieuse aux yeux de l'Éternel, ton Créateur, plus qu'à tes parents. But we tell you, you are more precious in the sight. Parce qu'il t'aime plus que tes parents, plus que toute autre chose. Mais il ne t'a pas dit de mépriser ton parent. Il ne t'a pas dit de mépriser ton prochain, l'autorité ou qui que ce soit qui se place devant toi. Ça veut dire quoi? La parole qui revient à ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Jésus que tu dis partir à l'église qui est toujours sur un bois cloué. J'aimerais te dire que ce Jésus-Christ n'est pas resté sur la croix. We love to tell you that Jesus is not long out the cross. Il sait bien les traditions. Il sait bien les traditions. Il sait bien rester dans les traditions et les coutumes. Et vous dites allez à l'église. Et il dit, il faut que le nom de Jésus le ressuscité. Celui-là qui guérit les malades, passe sa prison et sa vie. Mais il vous maintient dans la prison, dans l'idolâtrie, en vous laissant observer cette idole qui est devant vous, au nom de l'Esprit de Dieu, qui est dans vos cœurs, et qui doit être dans vos cœurs, pour que le Seigneur puisse se manifester. Voilà
le chemin de l'idolâtrie. That is the way of idolatry. Servir les dieux de Baal, les astartés. If you continue serving idols. Et vous les encouragez. And you are encouraging them. Parce que vous aimez le mensonge. Because you love lies telling. Parce que vous corrompu par le menteur qui est Satan, le père du mensonge. You love corruption from the devil. Vous demeurez dans un mensonge. You will stay et quand je viens te dire Jésus t'aime. Mais what will come to tell you Jesus loves you? Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Because Jesus Christ of Nazareth. Il t'attend au ciel. Il t'attend au ciel. Pour fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. To tell you, my good and faithful servant. Mais tu continues à le regarder sur la croix. Tu continues à le contempler sur la croix. Comme autrefois où on avait crucifié. Tu continues de maintenir Jésus sur la croix. You continue nailing Jesus Christ on the cross. Mais laisse-moi te dire. But allow us to tell you. Ils savent la vérité. You ils ne vous le disent pas. Parce qu'ils ont peur de vous perdre. Because people ils ont peur de perdre l'argent que vous leur donnez. Many ils ont peur de perdre la communauté. Vos âmes qui vont la prisonner avec eux. Oui, ma frère, ma soeur. Pourquoi ils ne hantent pas les idoles qui est écrit dans la parole qu'ils vous lisent tous les jours? Pourquoi est-ce qu'ils inscrivent ces passages bibliques et vous enseignent ce qui est bien à entendre dans vos oreilles? Et vous aimez bien ce qui démange vos oreilles? Parce que la parole de Dieu le dit, non, les jours viennent où ils vont aimer les choses qui démangent les oreilles, qui plaient l'entendement. La modalité, car Jésus dit, n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Because whosoever loves the world, the love of the Father is not in him. Non seulement tu es disciple du menteur, le père du mensonge, qui est Satan. Et tu te mens toi-même, et tu as dit, on reste avec toi dans ce mensonge. Et je suis venu te dire de sortir de là, et de te repentir sincèrement. Come forward and repent sincèrely. Parce que par toi, tu es en train de maintenir beaucoup de personnes dans les chaînes de la prison du mensonge, les serviteurs de Satan. Qui était autrefois Lucifer, le plus bel ange de Dieu, mais qui s'est laissé corrompre par son envie, son orgueil. Mais aujourd'hui, qui vous attire et qui vous gagne dans des voilages, dans des chapelles, et qui aime vous dire, vous miroiter les choses que vous voulez entendre. Le mensonge, le mensonge, le mensonge. Mon frère sort du mensonge. My brother come out of lies telling. La vérité c'est la croix de Jésus. The truth is the cross of the Lord Jesus Christ. La croix d'annoncer l'évangile. We have come to announce the truth. Si tu es allé à l'église. We say go to church. Et que je ne sais pas Dieu plus que toi. And I'm not serving God better than you. Pourquoi quand je te parle de venir à Jésus? Why do we tell you come to Jesus? Pourquoi quand je te dis Jésus t'aime tu es énervé? Why did I tell you Jesus Christ love you and you are angry? Pourquoi quand je te dis que Jésus est Seigneur et Sauveur ça t'énerve? Why did I tell you Jesus Christ is Lord and Savior? Pourquoi tu es irrité? Why are you angry when you hear the name of the Lord Jesus Christ? Parce que tu sais les chapelles de Satan. Because you are worshiping the devil. Tu regardes les chapelles de Satan. You are worshiping the devil. Et Jésus n'avait pas eu peur de le dire. And Jesus Christ was not afraid to say. Autrefois il a dit reste vipère qui vous a perdu la colère de Dieu. Vous pensez que Jésus ne voyait pas? You think that Jesus Christ does not see you? Est-ce que vous pensez que ce Jésus ne voyait pas? You think Jesus Christ does not see you? Quelqu'un qui connaît l'arbre manqué qui est devenu le papayer n'a qu'à me dire. Pourquoi tu t'es dénaturé? Toi qui es brun, tu veux devenir brun. You that have changed your nature. Tu es noir, tu veux devenir brun. Tu es brun, tu veux devenir blanche. Pourquoi toi aujourd'hui tu es homme, tu veux devenir femme au point de changer ton sexe? Ne mange donc plus les fruits de la terre que Dieu a béni le sol. Pourquoi tu te peines mon frère, ma soeur? Pourquoi tu désires encore manger? Pourquoi tu désires encore te nourrir? Si tu as décidé de changer ta nature, mais sois autonome, vis de toi-même, sans avoir recours aux besoins et aux bénédictions de l'Éternel et à ses grâces. Pourquoi tu te donnes de la peine? Pourquoi tu pries lorsque tu sais que tu es mal habillé? Lorsque tu sais que tu es mal habillé, tu es rempli de fausseté et tu es double. Pourquoi tu invoques encore la grâce, la miséricorde de Dieu? Je te le dis en vérité. Dieu ne viendra pas si tu ne te dépouilles pas de ces choses premièrement. Le Seigneur Jésus-Christ ne te sauvera pas si tu ne te décides pas d'abandonner ces choses et de les jeter, de les brûler. Jésus
Jésus-Christ ne te sauvera pas. Jésus-Christ de Nazareth ne te délivrera pas. Jésus-Christ de Nazareth ne va pas te guérir. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters, l'amour de Jésus, the love of Jesus, que tu as l'air de chanter, that we are singing to you, que tu as l'air de méditer, that you always meditate, que tu as l'air de déclarer, that you don't declare, peut-être tu ne le sais pas encore, maybe you don't know, peut-être tu ne le sais pas encore, maybe you don't know, si tu es réellement disciple de Jésus, if you are a disciple of Christ, joins-toi à nous. Join us. Car la parole déclare. Because the word declares. Soyez un. Be one. Comme le Père et moi sommes un. As the Lord and Christ are one. Pourquoi refuses-tu Jésus et tu dis que tu pars à l'église? Why do you reject Jesus and you say you go to church? Pourquoi au nom de Jésus t'énerve si tant si tu pars à l'église le dimanche? Why do you go to church on Sunday? Si tu es institué par les hommes, soi-disant louer Dieu. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters, pourquoi est-ce que tu ne peux pas te joindre à nous et dire loue-toi l'Éternel, loue-toi Jésus-Christ de Nazareth? Why can you not join us to say c'est parce qu'il y a un problème en toi. Because c'est parce qu'il y a un problème encore en toi. There is a problem in you. Parce qu'il y a encore quelque chose en toi qui t'empêche de lever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit à la mention de son nom, tout genou fléchit et tout langue confesse. Pourquoi tu ne peux pas confesser avec moi le nom de Jésus? Pourquoi tu ne peux pas confesser avec moi le nom de Jésus, le sacré Jésus? Pourquoi ma foi tu te caches? Why you hiding? Parce que tu as encore ce péché en toi. Because you are still hiding it. Parce que tu caresses encore ce péché. Because you are still living in sin. Et tellement tu l'as caressé. And you are living in sin. Tellement tu as donné un lit et une couverture. And you are giving sin a place. Tellement tu l'as déjà laissé dans une chambre bien confortable. You have allowed sin to have place in your life. Quand tu l'as même déjà appelé péché mignon. You are already calling him a beautiful sin. Tu n'as qu'à me donner ce passage où la parole de Dieu me dit. Et je vais laisser le micro où le péché est mignon. Where is sin ever beautiful? Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Is it not God that said he will not answer the sinner? Ce Dieu a déjà changé, n'est-ce pas? That God has ever changed. Celui qui a dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Et tu n'as pas demandé pardon. Tu n'as pas confessé tes pécheurs. Mais tu dis que tu pars à l'église. Pendant cette temps, tu as ton péché mignon. You have never abandoned sin and you go to church, you still continue praying. Who is going to answer your prayer? J'aimerais te dire encore. We love to tell you. Si tu n'as jamais craint Dieu. If you have never feared God. À partir de ce soir. From this night. Si tu entends ma voix. If you hear this voice. Déclare dans ta vie, toi qui passes. We declare your life impossible. You die seated. Que tu vas craindre son nom à partir d'aujourd'hui. You will fear his name from today. La crainte de l'Éternel t'en parle maintenant au nom de Jésus. The fear of the Lord take over you. The fear of the Lord take over you in Jesus' mighty name. Et tu ne vas plus blasphémer. And you never blaspheme. Tu ne vas plus jouer avec le nom de Jésus. You will not joke again with the name of Jesus. Tu ne vas plus caresser un péché, quel qu'il soit petit que ce soit. You will not more have it seen. Parce qu'il a dit le péché, c'est le péché. Because it's a sin, you see. Il n'y a pas plus grand péché ou plus petit péché. There is no small sin now. Aussi longtemps que tu as menti, tu es capable de tuer. And if you are a liar, you can also kill. Aussi longtemps que tu commets l'adultère, tu es capable de forniquer. And adultery is also fornication. Aussi longtemps que tu forniques, tu es capable de voler. A fornicator is having the same sentence as a. De toute autre forme d'abomination. And you commit also other forms of abomination. Mais gloire soit rendue à Dieu. The glory be to God. Il y a un sauveur. There is a savior. Un ressuscité. Et il résurrecte. Un Dieu grand, redoutable. And an almighty God. Qui te dit aujourd'hui qu'il t'aime. That tells you today he loves you. Parce qu'il a dit. Because he says. Il n'aime pas le péché dans lequel tu es. He does not love the sin you are living in. Mais il t'aime toi. But he loves you. Parce qu'il veut te sauver de ton péché. But because he wants to save you from sin. Certainement tu as lutté de toutes tes forces. Certainly you have fought with all of your. Pour ne plus commettre la fornication. Not to commit fornication again. Pour ne plus être un adultère. Not to be an adulterer again. Pour ne plus être un alcoolique ou un voleur. Not to be an alcoholic or a drunkard. Et tout autre lien qui te maintient captif. Or to be in anything that is holding you captive. Mais Jésus. But Jesus. Est capable de te libérer. Is able to liberate you. Si tu l'acceptes maintenant. If you accept him de now. De là où tu te trouves. Where you are. Tu verras la puissance de Dieu te saisir. You will see the power of God. Tu verras la puissance de Dieu te localiser. You will see the power of God. Tu verras la puissance
grâce de Dieu dans ta vie. You receive the power of God. Pour ôter les liens du péché. To take you far away from sin. Pour ôter les liens du péché. To break the liens. Pour ôter le fardeau du péché dans ta vie. To take away the weight of sin from your life. Mais est-ce que tu le feras de tout ton cœur? Will you do it with all of your heart? Est-ce que tu te seras repenti sincèrement? Will you repent sincèrement? Une repentance vraie et sincère. A true and real repentance. Ce n'est que par là que tu verras la puissance de Dieu. It is by that you will see the power of God. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Are you ready to accept the Lord Jesus Christ? Depuis que tu es né. Since you were born. Depuis que tu as grandi. Since you have grown. Depuis que tu es grand. Depuis que tu es un homme et une femme. Since you are a woman, a man. Depuis que tu dis tu pars à l'église. Since you say you have been going to church. Et soi-disant même tu t'es baptisé. I'm telling people you have been baptized. Le baptême de la récitation. That baptized. Mais notre Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On n'est plus à la maternelle, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas reçu le baptême au nom de Jésus, if you have not been baptized in the name of the Lord Jesus Christ, en vérité, tu dois encore réfléchir. Very little way you need to. Ouvre ta Bible, demande à l'homme de Dieu. De quel baptême devriez-vous recevoir? Est-ce le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est la formule, ou le baptême du nom de Jésus qui sauve? Mensonge! Jésus s'est baptisé par immersion. Mais il vous baptise avec les déguisements, les faussetés sur vos têtes. On se contente de vous baiser de nos propres filtres sur votre tête. Alors que le péché s'est mouru avec Jésus et ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth. On te plonge dans l'eau comme le Seigneur Jésus et on te ressort avec Jésus-Christ. C'est ça le baptême qui est agréable et qui maintient et qui parvient et qui conduit au salut. Aujourd'hui, tu vas dire que tu es baptisé, mais c'est toi, le même soir du baptême, tu te retrouves dans le jeu de la position du bisou international à ton copain, qui n'est nulle part écrit dans la Bible, et elle est copain. Mais il a dit l'homme qui quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Mais c'est toi qui as le petit ami et les copains. Mais tu dis que tu es baptisé. Ton corps est devenu le temple des copains et des copines. Mais tu dis que tu es baptisé, tu es enfant de Dieu. Repends-toi, mon frère, ma soeur. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais quand il t'a sauvé, la vérité délivre et guérit. Je suis venu te le dire aujourd'hui. Afin que tu sortes et que tu sois guéri. Tu sors de la prison et que tu sois délivré. Tu as dit hypocrite que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous vous arrangez à ce que vos enfants soient sur le chemin, soient dans le confort, soient bien nourris. Mais je vous oublie que les prébis que Dieu vous a donné en tant que conducteur, vous avez oublié qu'ils soient de les mettre sur le chemin, de même que vous le faites au champ de vos maisons. Je dis hypocrite que vous êtes. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous ai entendu les prépits des enfants de Dieu, les prépits de l'Éternel, vous conducteurs, vous pasteurs, vous évêques, vous et je ne sais pas, toutes sortes de perches. Annoncez-le la vérité. Dis-le la vérité. Ils ont besoin de la vérité pour être sauvés. Arrêtez de les mentir. Arrêtez de les envoyer en enfer. Enlevez les perles, les femmes lâches indiennes sur vos têtes. Alors que vous êtes camerounais, des Africains avec de beaux cheveux. Arrêtez de mettre des extensions de mèches. Tu as refusé le mien de soucis, tu as laissé pour mettre ta tatouage sur ça. Est-ce que tu es plus fort que Dieu? Si tu mens maintenant, que diras tu à Dieu demain? Tu as décidé de mettre le rouge à lèvres. Tu as décidé de mettre le masque sur ta face. Tu dis que tu vas te mettre belle. Wow! Il faut dire qu'il se mystifie tous les jours. Il faut dire qu'il change de position, qu'il change de figure tous les jours. Quelle est cette beauté? Si tu mets dans cette condition, où ira ton âme? Vous maquillez jusqu'à maquiller même les cadavres. Et il va pourrir. Entre temps, son âme va en enfer. Hypocrite, menteur, que vous êtes. Et quand vous dites la vérité pour le salut de vos âmes, c'est toi qui trouves que Jésus blasphème. C'est toi qui trouves que Jésus est baisé pour il est démon. Pendant que Dieu a dit qu'il t'a créé comme ça, il trouve que tu es bon. Il t'a donné cheveux noirs, tu as choisi des cheveux rouges. Il t'a donné cheveux noirs, roux, tu as choisi cheveux jaunes. C'est toi qui es le feu. C'est toi qui es le tonnerre. C'est toi qui es en bavoir.
c'est toi qui es, c'est moi. Mais le Seigneur t'aime tellement qu'il veut te sauver. Le Seigneur t'aime tellement qu'il veut te sauver. Parce que le moi va t'amener en enfer. Quand tu vas mourir, le moi ne va pas te sauver. Quand tu vas mourir, tes mèches là, ta première perruque là qui a coûté cher là, les gens vont discuter ça. Ton âme, ils vont être donnés, ils vont aller choisir la plus belle chèvre de fleurs, comme ils ont pour coutume de vous mentir. Ils vont mentir même ton pauvre cadavre qui serait posé là dans un cercueil en bois, en écrivant sur ça que ton âme repose en paix avec des bougies artificielles. Alors que tu n'as pas passé ta vie dans la prière, dans la gloire et l'adoration à ton Dieu, dans la méditation de la parole, et aimer ton prochain comme toi-même, et à prier pour celui-même qui te persécute là. Parce que tu n'es pas un certain de personne, tu n'es pas mieux ni pire que cette personne, et cette personne n'est pas mieux ni pire que toi, vous êtes un don devant Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais n'est pas bon. Mais le Seigneur veut te pardonner aujourd'hui. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut t'enlever du milieu de la fausseté et de la perdition dans laquelle tu te trouves et que toi-même tu as choisi. Même si tu es incapable de sortir, il suffit que tu invoques le nom de Jésus de là où tu te trouves et que tu décides de ton cœur d'abandonner et que tu n'es pas plus dans la situation où tu te trouves. Que tu es fatigué et tu verras la main puissante de l'Éternel venir t'arracher des mains de l'enfer de Satan. Pourquoi régnes-tu ta nature? Pourquoi as-tu régné Dieu jusqu'à régner ta propre personne et détruire ton corps? Pourquoi détruisez-vous le temple de Dieu? Pourquoi détruis-tu ton corps qui est si merveilleux? Je dis, ne savez-vous pas que vous êtes des créatures si merveilleuses? À ce temps, il n'y avait pas de parure. À ce temps, il n'y avait pas de mèche. À ce temps, il n'y avait pas ces choses du monde. Faites pas Satan et ses agents. La parole de Dieu demeure. C'est la meilleure aujourd'hui éternellement. Car Dieu n'a pas changé. Pourquoi vous les hommes vous changez aujourd'hui? Le bananier est devenu le cocotier depuis que tu vis? Depuis que tu es déjà Dieu vient là? Est-ce que tu as vu le manque qui est devenu le premier? Chaque arbre donne son fruit à sa saison. Et tu manges, tu te réjouis. Mais quand ton temps arrive où il faut servir l'Éternel, où il faut donner la part de Dieu, tu viens prendre Marie-Claire, tu mets sur toi. Tu viens prendre Mécope, tu bombardes sur ton visage. Tu viens prendre Péril de toutes sortes de restes humaines. Tu mets sur ta tête. Et tu dis, c'est Dieu. Et tu dis, Dieu t'aime comme ça. Mensonge. Tu es dans l'égarement. Tu es dans même l'égarement que tu ne sais pas. Tu es dans une abomination que tu ne connais pas. Dieu ne va jamais se conformer à un homme. Je te le dis en vérité. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Je te le dis encore aujourd'hui. Si tu attends à ce que Dieu va se conformer à toi, parce que tu as choisi ton style de vie, je te dis encore, fais très attention. C'est à toi de te conformer à Dieu. C'est à toi de t'arranger, de mettre l'ordre dans ta vie, de mettre l'ordre dans ta maison, de mettre l'ordre dans ta vie, afin qu'au dernier jour, tu puisses aller à l'éternité, à la vie éternelle, dans ta maison, dans ton paradis céleste, où le Père est allé te préparer une place. Tu n'as pas de maison sur la terre, mais la vie que Dieu demande, tu retrouveras ta maison au ciel. Personne ne va te demander les taxes, personne ne va te demander le paye les pauvres ou les droits de terre. Il a dit, vous travaillez pour la nourriture qui périt. Mais vous oubliez l'essentiel, votre âme qui vivra éternellement, l'esprit qui vous a donné. Vous n'avez pas travaillé à nourrir l'esprit, à chercher les vertus de Dieu, à chercher ce qui plaît Dieu. Mais vous voulez plaire Dieu avec le monde. Jésus est né où? Au milieu des animaux, dans la crèche. Où vivent les animaux? Les centaines de les dieux des animaux. Regardez depuis sa naissance, il n'est pas venu se corrompre ni épouser le monde. Il est venu comme un exemple. Quand Paul a dit dans la parole, soyez mes imitateurs, imite l'Éternel, imite Christ. Comme moi aussi je suis son imitateur, imite Jésus. Mais tu viens imiter les stars mondains qui ont choisi de partir avec les démons. Même celui qui est déjà mort, tu es devenu son idole. Tu es devenu aujourd'hui son idole. Pendant que Jésus, son sang a coulé là-bas, il a fait te pleurer pour toi. Et tous les gens te disent, repens-toi. Tu dis, laisse.
moi ça. Mais tu oublies que la terre va ouvrir sa bouche et va t'engloutir de là. Et ton salut, le Seigneur t'attend. Et les anges de Satan que tu as servi sur la terre t'attendent aussi. Mais c'est à toi de décider. La balle est dans ton camp. Jésus n'est pas mort pour le sassayer. Jésus n'est pas mort pour que tu te permets de faire comme tu veux. Jésus n'est pas venu. Il a laissé toute sa gloire au ciel. Toute sa gloire au ciel. Pour venir mourir. Pour que tu prennes ta vie comme tu veux. Pour que tu te permets d'utiliser son corps comme tu veux. Jésus n'est pas venu mourir. Pour que tu te permets de détruire son corps. Jésus est venu mourir pour que tu sois sauvé. Pas ton corps, parce qu'il y a le péché, réside dans le corps, dans la chair. Mais c'est ton esprit qui va rentrer vers le Père pour être sauvé. Parce qu'il est tellement amour et il t'aime. Et il va te sauver. Le ciel est ouvert pour toi, mon frère, ma soeur. Le ciel est ouvert pour toi, mon frère, ma soeur. Personne ne comprend, ne va pas te sauver. Tu vas certainement dire, regardez-moi celle-là. La vie t'a dépassé. Maintenant, parler de Jésus. Lui, ça nous a dépassé. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu pour les affligés. Je suis venu pour les prisonniers. Je suis venu pour vous qui souffrez, pour vous qui n'avez pas, pour vous qui êtes sucrés et méprisés, afin que vous ayez la vie éternelle. On t'a insulté de tout. Qu'est-ce qui a diminué dans ta vie? Depuis qu'on te méprise, qu'est-ce qui a diminué dans ta vie? Depuis qu'on t'a déjà dénigré, ça a diminué quoi dans ta vie? Pourquoi aimez-vous de venir voir? Pourquoi aimez-vous vous montrer? Pourquoi aimez-vous vous montrer, vous afficher? Alors que tu as besoin de toi. Tu as besoin que tu annonces l'évangile. Tu as besoin que tu reçois les bien-aimés. Tu as besoin que vous soyez un avec ces bien-aimés, frères et sœurs, ces disciples. Pour qu'ils manifestent davantage sa puissance. Parce que le prince de ce monde et des ténèbres, Satan, n'est pas sur la terre pour blaguer. Ils connaissent toute la vérité. Tout cela, ils sont dans le mensonge. Mais ils aiment vous donner des miettes. Ils aiment vous flatter. Mais ils ne vous aident pas. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie éternelle. Mais tu peux conditionner Jésus pour le servir. Je suis désolé de te dire, mon frère, ma soeur. Dieu ne va pas te bénir parce que tu le conditionnes. Il dit qu'il donne à qui il veut. Sa grâce, sa bénédiction, son trésor, son argent. Il donne à qui il veut. Ce n'est pas parce que tu pries trop qu'il va te donner. Ce n'est pas parce que tu jeûnes trop qu'il va te donner. Ce n'est pas parce que tu fais trop les aumônes que Jésus-Christ va te donner. Ce n'est pas parce que tu es trop pauvre, matériellement ou financièrement, que Jésus-Christ va te donner. Car la manière et la condition dans laquelle tu te trouves, c'est pour sa gloire. Et là, pour que les hommes te voient. Parce qu'il voit ton corps. Il ne voit pas la récitation de tes lèvres que tu appelles prière. Jésus, avant que tu ouvres la bouche, il connaît ce qui est dans ton corps. Parce que tu vois quand te voit rouler dans une belle voiture. Parce qu'on voit que lui, tu as déjà aussi une moto. Parce qu'on voit que lui, j'ai déjà aussi une boutique. Oui, c'est moi. D'ailleurs, je suis déjà mariée. Mais pour ne même pas respecter ton mari, pour ne même pas lui être fidèle. Et tu veux que Jésus te bénisse, tu le conditionnes pour le servir. Hey, si tu meurs, mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, ce Jésus ne te sauvera pas. Parce que tu ne l'as pas servi comme il te le demande. Parce que tu n'as pas cherché à le servir conformément à sa parole. Comme il a dit, cherche premièrement l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cherche le premièrement et sa justice. Et toutes choses te seront données par-dessus tout. Et il a aussi dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur te désire. Ton cœur te désire. Et non tes lèvres. Et non tes lèvres. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, mon frère, ma soeur. Demain, ce n'est pas ici. Tu auras beau.
un homme dans ton téléphone. Avec sa morphologie de gorille, l'esprit de démon de forêt, qui ont décidé de choisir dans le but de vous séduire et de vous entraîner dans les publicités. Je te le dis en vérité, ce n'est pas ça qui était pour toi. Je connais ce qui est bon pour toi. Tu choisis la vie que tu veux parce que ça te plaît pour satisfaire ta chair, les désirs de ta chair. Je suis désolé, mon frère, ma soeur. Il ne faudrait pas dire Seigneur Jésus parce que Jésus n'était pas là au commencement. Il a dit, vous avez abandonné le Créateur pour servir la créature. Tu as besoin de quelque chose. Tu ne demandes pas celui-là qui t'a mis sur la terre. Cherche pas dans la prière, dans le jeûne, dans la louange, l'adoration. Si tu ne sais même pas prier, dans la méditation, la lecture biblique quotidienne, médite ma parole jour et nuit. Tu ne le cherches pas ainsi, mais tu commences à poser tes regards sur les jeunes filles, sur les jeunes garçons. Non, ce n'est pas comme ça. Repends-toi et viens à Jésus. Il va te donner ce que ton cœur désire, et non tes lèvres, et non ta chair. Il va te donner ce que ton cœur désire. Pas pour satisfaire tes besoins. Pas pour satisfaire ta chair, mon frère, ma soeur. Mais pour la gloire de son nom et pour le salut. Si tu ne comprends pas que tu es sur la terre pour servir Dieu, tu dois le comprendre aujourd'hui. Et je déclare que ça va entrer dans ton cœur, dans ta chair. Et ça va s'enraciner cette parole. Que tu es sur la terre pour servir Dieu. Que tu le vois ou pas, c'est Dieu qui t'a créé. Et il a dit ainsi, et c'est ainsi. Sa parole demeure et ça reste. Il n'a pas demandé le consentement de quelqu'un pour te plaire. Mais toi, tu as bien voulu avoir une femme pour avoir les enfants. Pour être appelé papa et pour être un homme. Pour être appelé homme. Mais tu n'as pas demandé à Dieu pour être sur la terre. C'est par l'amour que tu es là. C'est pour le servir, le glorifier, le louer. Comme les anges disent sans l'éternel tous les jours. Dieu pour ce que tu as, non, mais tu le maudis pour ce que tu n'as pas. Je te dis encore, Jésus veut te sauver et il t'appelle à te repentir. Jésus veut te sauver et il t'appelle à la repentance. Jésus veut te sauver et il t'appelle à la